Mademoiselle institutrice, très bien. J'ai un petit service à vous demander. Vas-y. Bah, vous connaissez Mirette, la gérante du cercle, le bar tabac. Bah, oui, et puis. Bah, faudrait lui dire qu'il y a un chien qui est tombé dans le puits du cercle. C'est Cassotti qui l'a vu tomber dedans ce matin. Alors, vous pensez, si on lui dit pas, elle va nous faire boire l'eau à l'apéritif le dimanche. Non, mais pourquoi Cassotti ne l'a pas averti? Oh bah, parce qu'ils sont fâchés à l'auto il y a 20 ans. Ah bon? Pourtant, il va boire l'apéritif au cercle. Oui, mais il demande qu'en commis. C'est à moi. Moi aussi, je suis fâchée avec Mirette. Non, mais pourquoi? Oh, ça vient de loin. Mon père était fâché avec son père. Mon grand-père était déjà fâché avec son grand-père. Et nos grands-pères ne savaient déjà pas pourquoi. Alors, vous pensez, il devait y avoir quelque chose de grave. Non, mais quel village de crétins! Mais non, mademoiselle l'institutrice, on a de l'amour propre, voilà tout. Non mais deux pelés, quatre tendus et tous fâchés les uns contre les autres. Oh, on se rend compte quand même au cercle ou à la chorale, hein. Mais ceux qui sont fâchés ne se parlent pas. Bon, j'avertirai Mirette. Mais d'abord, je vais voir le pain du nouveau boulanger. C'est aujourd'hui qu'il ouvre? Oui, la première fournée doit sortir vers 11h. Tu sais, je vais faire boire Mulet, j'y vais aussi. Bon, ben, je préviens Mirette alors. Ah oui, mais surtout, vous lui dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Hein. Ça ferait parler, ça ferait mauvais genre. Vous dites rien. S'il vous plaît, mademoiselle l'institutrice, je voudrais vous dire deux mots si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je n'en vois aucun. Un chien regarde bien l'évêque. Monsieur le curé peut donc parler à mademoiselle l'institutrice. Eh bien, malgré le ton désobligeant de votre réponse, les devoirs de ma charge m'obligent à poursuivre cette conversation. Bien à contre-cœur. Car ce que j'ai à vous dire est très grave. Vous avez fait l'autre jour, avant-hier exactement, une leçon sur Jeanne d'Arc. Oui, ce n'est pas que ce soit amusant, mais c'est dans le programme. Bien, et à cette occasion, et devant des enfants, vous avez prononcé les paroles suivantes. Jeanne d'Arc était une petite bergère de Dorémy, et un jour qu'elle gardait ses moutons, elle crut entendre des voix. C'est bien cela ce que vous avez dit? C'est très exactement ce que j'ai dit. Mais est-ce que vous songez, pauvre malheureuse, à la responsabilité que vous avez prise en disant « crut entendre » Je songe que j'ai justement évité de prendre une responsabilité. J'ai dit que Jeanne d'Arc crut entendre les voix. Ce qui veut dire, en ce qui la concerne, qu'elle les entendrait fort bien. Mais en ce qui me concerne, je n'en sais rien. Comment ça, vous n'en savez rien? Ma foi, monsieur le curé, je n'y étais pas. Comment ça, vous n'y étiez pas? En 1431, je n'étais même pas née. À voir. Mais n'espérez pas vous en tirer par une pirouette. Vous n'avez pas le droit de nier un fait historique, ma bonne dame. Vous n'avez pas le droit de dire « crut entendre ». Vous devez dire « Jeanne d'Arc entendit et voit ». En somme, vous êtes furieux parce que j'ai parlé de Jeanne d'Arc qui, selon vous, vous appartient. Mais vous-même, monsieur le curé, il vous arrive de piétiner mes plates-bandes?
Ainsi, vous avez dit aux enfants du catéchisme que je me trompais, qu'en histoire naturelle, il n'y avait pas trois règnes, mais quatre règnes. Mais parfaitement. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain, ce qui est scientifiquement démontré. Il est scientifiquement démontré que le règne humain est une absurdité. Vous vous considérez donc comme un animal? Sans aucun doute. Eh bien, je vous crois trop savante pour ne pas croire qu'en ce qui vous concerne, vous avez certainement raison. Permettez-moi donc de me retirer sans vous saluer, car je ne salue pas les animaux. Non, mais ces trois ormes-là, ils te servent à rien. Ils sont juste au bord du pré. Qu'est-ce que ça peut te faire de les tailler? Tiens, au contraire, tu aurais du bois cet hiver. Ces arbres sont à moi. Je les taillerai si je veux. Tu ne vas quand même pas me forcer à couper mes arbres. Les arbres qui sont chez moi. Oui, ils sont chez moi. Mais leur ombre est dans mon jardin parfaitement. Non, mais ils sont mal placés, tes arbres. Ils sont juste au midi de mon potager. Alors, ce qui fait que toute l'année, du matin au soir, cette ombre, eh ben, elle tombe sur mes légumes et elle tourne comme une faux. Hein? Ils me mangent mon soleil, tes arbres. Et on n'a pas le droit de manger le soleil de personne. Bravo. Ah. Elle a raison. Ah. Et qu'est-ce que vous en savez, vous? Oh, comme j'entends cette querelle au moins deux fois par jour, je suis à peu près au courant. Antonine n'a pas tort, hein. Écoute, Louis, c'est pas de ta faute, mais pour elle. Tes ormeaux sont mal placés. Voilà. Et c'est peut-être son jardin qui est mal placé. Oh. Et si je me plaignais, moi, si je disais que j'ai des arbres magnifiques et que je ne peux même pas me mettre à l'ombre de mes arbres parce qu'elles s'échappent chez elles. L'ombre de mes arbres est à moi, peut-être, non? Eh ben oui, justement, si elle est à toi, je te prie de la retirer de chez moi. Oh, elle le dit à sa façon, mais elle n'a pas tort. Ouais, elle veut peut-être que je change le soleil de place. Mais non, elle veut simplement que tu tailles tes arbres. Oui. Il me semble que c'est son droit. Alors non, mais j'ai fait des épinards géants cette année. Eh bien, mademoiselle l'institutrice, je vous les montrerai, hein, ces épinards géants. Ils sont pas plus hauts que du cresson. Fais du cresson si tu veux, moi mes arbres, je n'y toucherai pas. Bon, eh bien, puisque c'est ça, on ira au juge de paix. Et en attendant, eh bien, je te retire la parole. Oh, écoute, allez, arrête, Tony, je lui retire la parole. On a compris, on a compris. Oh, laisse-la faire, va. Si tu crois que ça me touche, au contraire. C'est d'accord qu'elle ne me parle plus jamais. Et si vous m'entendez un jour lui adresser la parole ou lui répondre, mademoiselle l'institutrice, je vous donne la permission de me cracher dans l'œil. Ah, bien, je n'y prendrai aucun plaisir, mais merci quand même. En attendant cette cérémonie, allons voir le pain du nouveau plancher. Ah bah le voilà. Alors le pain est bon? Et pourquoi je ferais mauvais, hein? Oh, je veux pas dire que tu le ferais mauvais, oui. Mais tu comprends, il y a pain et pain. Celui qui était avant toi, l'ange, oui. Celui qui s'est pendu dans la cave. Oh là là. On ne parlait jamais de cette histoire devant ma femme. De savoir qu'on croit la suite d'apprendu, mais c'est une chose qui l'impressionnerait. Et peut-être qu'elle ne voudrait pas rester ici. Alors Motus, hein, Motus, hein. Oui, on a compris, Motus. 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 Alors qu'est-ce qu'il faisait l'ange quand il ne se prenait pas? Eh bien, il faisait du pain. Mais ce pain, ben, n'était jamais pareil. Des fois très bon, des fois pas mangeable. Surtout le dimanche matin. Tu comprends, le samedi, il se prenait une pluie terrible avec de l'anis. Alors, vers minuit, quand il commençait à réfléchir, il ne savait plus ce qu'il faisait, hein. Une fois, dans un pain, j'ai trouvé la moitié d'un cigare. Non. Si. Et une autre fois, le pain, il avait le bout de l'anis. Oh. Et les enfants se sont régalés. Mais vous supportiez ça, vous autres? Et qu'est-ce que nous pouvions faire? Mais allez chercher le pain ailleurs, voyons, hein. Tordi, nous l'avons fait longtemps. Le plus près, c'est à Vaux, à 12 km, et par des chemins de montagne, hein. Alors on en prenait pour une semaine. Et au bout de 4 ou 5 jours, le pain était si dur qu'on se cassait les dents dessus. Alors, on retournait chez l'ange, oui. Parce qu'il ne le faisait pas toujours bon, mais il le faisait toujours ici. Et moi, je le fais, hein? Oh, il y a raison, voyons. Attendons avant de juger. Mais où étiez-vous, boulanger, avant de venir ici? J'étais à Valensol et à Bannon, et j'y ai gagné les sous. Et pourtant, il y avait de la concurrence. Nous y étions 3 boulangers. Oh, c'était pas un petit village comme ici, oh là là non. C'était des vraies petites villes où il y avait les connaisseurs. Oui, madame, il y avait les connaisseurs. Et c'est parce que les connaisseurs t'ont plus voulu que tu es venu chez nous? Ah non, c'est pour faire plaisir à ma femme. Parce que ma femme, elle craint le froid. Et ici, c'est beaucoup moins haut. Mais vous savez ce qu'ils ont dit, les connaisseurs, quand je suis perdu? Vous savez pas? Non. Vous savez pas? Non. Bah non. Ils ont dit, boulanger, on te regrettera. Oh. Oui, madame, et parmi ceux qui ont dit ça, il y avait le receveur buraliste et le greffier du juge de paix. Oh. Alors l'autre là qui a mangé du pain ou le pendu a dégueulé son perno, elle me demande si je le ferai bon.
Oh, le mien sera toujours aussi bien que ça. Tiens, boulanger. Un appétit d'apéritif. Ah non, je n'en bois guère, je bois même pas du vin. Oh. Bon. Mais la pâte, quand je la touche, oh, je vous garantis que je la bouge. Moi, j'épargne pas ma peine. Bah, tout ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est que tu nous fasses du pain. Et pourvu qu'il soit aussi beau que ta femme, ça nous suffira. Oh, ça, certainement. Elle n'est pas difficile, elle. Du pain aussi beau que ma femme. Mais je crois bien qu'on n'en a jamais fait du pain aussi beau que ma femme. Eh ben, je comprends. Oh, c'est qu'elle est belle. Elle est belle, ma femme. Oh, oui, qu'elle est belle. Alors, si je vous fais du pain à moitié aussi beau que ma femme, ça vous suffira? Là, tu as raison, boulanger. Pour mon goût personnel, j'aimerais mieux du pain qui fait aussi beau que du pain. Car la beauté des femmes est fugitive et se fane comme les fleurs. Mais ce qui fait grand plaisir aux vieilles betteraves, qui ne risquent pas de se faner, hein. Je comprends qu'elle est belle. Et encore, vous ne l'avez pas vue habillée du dimanche. Vous ne l'avez pas vue. Non. Ou le soir, qu'elle se prépare pour aller se coucher. Oui. Oh, elle a dû entendre pas. Que je parlais d'elle. Oh, elle est tellement modeste. Allez, ouvre, aux corbeilles. Oh, je suis tout ému de la voir. Allez, viens, ma chérie, passe. Regardez ce beau petit trésor. C'est pas merveilleux, ça, hein? Oh, ce pain. Comme il sent bon. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais c'est vrai qu'ils sont bons. Tiens, voilà madame la marquise. Bonjour madame la boulangère. Je suis madame la marquise Castan de Venel. Sensible au charme des deux sexes, les paillères vont toujours en activité. C'est vous dire madame que je suis très sensible au charme de votre sourire et que je vous suis profondément reconnaissante d'être si belle. Ceci dit, je vous présente mon berger. Il se nomme Dominique. Ce Dominique viendra le mercredi et le samedi, muni du sac que vous voyez, pour y prendre 30 pains. Il faudra donc, boulanger, qu'en plus de ta fournée quotidienne, tu me fasses ces 30 pains. Et le samedi, oui, le samedi, si tu avais une douzaine de croissants ou de brioches, j'espère que cette déesse ne verra pas d'inconvénient à les mettre dans mon sac. Bien, madame. Madame la marquise. Oh, pardon. Bien, madame la marquise. Si je te parle de croissance et de brioche, c'est que dans mon château, qui n'est en réalité qu'une ferme, mais castellisée de par ma seule présence, j'héberge en général 3 ou 4 dames de petite vertu que j'entretiens dans un luxe rustique pour le plaisir de mes vieux jours et le dévermondage de mes bergers. Parfaitement, madame la marquise. Non, pas parfaitement. Enfin, ce n'est pas l'avis du curé. Pour ce qui est de ta note, il te la paiera tous les samedis. Détail pratique. Comme pour donner 30 pains, il faut au moins 10 minutes. Dominique ne viendra qu'à midi pour ne pas déranger ta clientèle. Pour aujourd'hui, c'est lui qui va attendre. Dominique, mets-toi là-bas. Attends. Le sambon est appétissant. Vous avez vu mon joli petit chat? Oh, il est beau. Comment il s'appelle? C'est Pompon. C'est dans une boulangerie, il faut se méfier des rats. Et vous mangerez tout le bénéfice. Alors Pompon et sa femme Pomponnette, ils me sauvent au moins 10 kilos de farine par jour. Ah, tu as la chatte aussi? Oh, je l'ai sans l'avoir. Mais ça fait 3 jours qu'elle a disparu. Oh. Fais attention quand on n'est pas fait du civet. Oh, quand il y a le sort, tu parles pas sérieusement, là, hein? Mais non, boulanger, nous avons tant de lièvres dans nos champs que nous ne savons plus qu'en faire. On ne te mangera pas ta chatte, voyons, maintenant. D'ailleurs, je sais pourquoi elle est partie. J'ai entendu ce qu'elle racontait cette nuit sur les toits. Oh, elle reviendra quand ça lui aura passé, va? Ah, ça ne passe pas aussi facilement. Comment t'appelles-tu? Aimable Castagnier. Comme c'est charmant. Le poète a dit... Emi Castanae son molles et Prissi copia lactis. Mais ce n'est pas le problème pour aujourd'hui. Au revoir, aimable boulanger. Au revoir, madame la marquise. Madame, le pain touché par vos belles mains sera reçu chez moi comme un présent. Laissez-moi passer, je vous prie. Tiens, bonjour, monsieur le curé. Bonjour, madame la marquise. Vous avez encore une petite douleur. Voilà. Merci. Vous avez vu, nous avons un bon boulanger. Avant que vous me redressiez.
Nous avons un nouveau boulanger. Non. Il se nomme Aimable. Aimable. Alors, laissez-moi réfléchir, Aimable. Bon sang, c'est bien sûr. Saint-Aimable. Ou Saint-Amable, peu importe. C'était un saint très connu qui vécut aux alentours de l'an 742. De qui est... Gamine, voilà, oui. C'est ça, je peux le dire. Et ce Saint-Aimable-là était très connu, savez-vous pourquoi? Non. Il était connu pour la remarquable austérité de ses mœurs. Eh oui. D'ailleurs, on l'avait surnommé Aimable l'inébranlable, l'inattaquable, l'inchatouillable. Eh oui. Et cet Aimable-là, Madame la Marquise, s'il avait été curé de ce village, il n'eût sans doute point toléré qu'une de ses paroissiennes, suivez Borgard, vécut entourée de plusieurs femmes, comme une vulgaire tenancière. Monsieur le curé, ce sont mes nièces. Vous oubliez que je suis votre confesseur. Si vous ne l'oubliez pas, vous aussi, toute conversation mondaine est impossible. Je dis à tout le monde que ce sont mes nièces. Oui, mais personne ne vous croit. Et l'exemple que vous donnez est très dangereux. Non, monsieur le curé, non. Car la débauche n'est pas un péché gratuit. Aimable, il y a encore du pain dans le four. Tu crois? Bien sûr, le pain recuit pour monsieur le curé. Oh, coquin de soeur. Oh là 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 là. Berger, approche comme ça. Aurélie! Oui, Aimable. Je t'appelle parce que je te vois pas. Tu n'as pas froid, moi? Non, Aimable. Ah, tu es là? Tiens, ma chérie, tu n'auras pas froid. Ah, c'est quand même une bonne journée. C'est vrai que c'est la première, mais quand même. 2600 francs dans un petit village. Ah, il n'y a pas à dire, ça s'annonce bien. Mais ce qui m'ennuie, toi, ma chérie, c'est que la chambre est au premier étage. Ça va te fatiguer de monter et descendre tout le temps. Alors j'ai demandé à la bonne du curé. Pourquoi faire? Mais pour t'en faire tout ton ménage, tu as bien assez de ton magasin. Regarde, ce soir, tu es tellement fatigué, tes yeux t'ont marqué de bleu. Il faut pas, tu comprends? C'est pas raisonnable. Alors elle viendra demain. C'est une bonne idée. Eh oui, puisqu'on gagne des sous. Il faut s'acheter du temps pour se reposer, tu ne trouves pas? Ah, le pain, 7 francs. C'est une belle affaire pour celui qui veut travailler. Mais les paysans trouvent que c'est trop cher. Ils voudraient vendre leur blé très cher et acheter le pain à bon marché. Mais c'est pas bête, hein, c'est pas bête. Mais si on vend le grain à 4 francs, mais ça met la farine à 6 francs, pas vrai? Bien sûr. Bon, il y a le son et la repasse. Mais on fait pas du pain avec du son. Et encore moins avec la repasse. Alors s'il faut que je vende le pain à moins de 7 francs, mais comment veux-tu que je m'y retrouve, hein? Quoi? Rien. Rien, tu as raison, on ne peut rien dire. C'est avec 4 sous de bénéfice au kilo. Avec ça, il faut que je paye mon loyer. Tu as raison, il n'est pas très cher, mais il faut quand même le payer. Il faut que je paye mes impôts. Il faut que je chauffe mon four. Il faut que je me nourrisse. Il faut que je nourrisse ma petite femme chérie. Et si nous avions des enfants, tu te rends compte, ma chérie? Si nous avions des enfants. Mais comment ferions-nous? Si nous avions des enfants. Si nous avions des enfants. Tiens, je vais me coucher. Oh. Elle est tellement fatiguée, peu chère. Si belle, si jeune, si brave. Et ça pense qu'à son travail, vous savez. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Et il y a la radio, là. Chez qui? Sous une basse sotto notte stellata. Mi hai fatto in pizarene. La tua bellezza insalante. Sapevo me capovolgersi. Viens voir, ma chérie, viens voir. Une sérénade. Regarde comme ils sont gentils. Je leur ai fait du bon pain. Ils viennent me remercier à leur façon. Que c'est gentil. Su un basso sotto notte stellata. Mi hai fatto in pizarene. La tua bellezza insolente. Sapevo me capo volgersi. Ah, c'est dommage. C'est dommage qu'ils chantent en piémontais ou en corse. Ou en espagnol peut-être. Je comprends pas bien ce qu'il dit, mais... Le cœur y est. Su un basso sotto notte stellata.
Mi hai fatto impisare me. La tua bellezza insolente. Sapevo me capovo garci. Oh, que c'est joli. Oh, je crois que c'est le berger des 30 kilos de pain. Ne t'en va pas, berger, ne t'en va pas. Ah, ça doit être l'usage. Faut lui donner quelque chose, je sais pas. Une tour, une fougasse, une bouteille de vin cuit. Je crois qu'il me reste une fougasse à la graine d'anis. Je descends la lui donner. Hein. J'y vais. Oui, tu as raison. Vaut mieux que ça soit toi. C'est plus gracieux. Et après tout, c'est peut-être pour toi qu'il est venu, parce que tu l'as bien servi ce matin. Oh, merci, berger. Hein. Tu es bien aimable. Ça fait grand plaisir que tu sois venu. Entre dans la boulangerie. Ma femme va te donner quelque chose. C'est pas grand-chose. C'est juste un petit cadeau. Un petit cadeau d'amitié. Entre, entre, entre. Aurélie, si tu n'aimes pas l'électricité, tu la trouveras pas, la fougasse. Tu veux que je descende? Oh, boulanger! Oui, qui es-tu, toi? Bah, Tonine de la ferme de Gravat. Oui. Alors, dis donc, boulanger, demain matin, je vais à la braconne. Et alors? Eh bien, alors, tiens, regarde. Je t'apporte 2 douzaines d'anchois pour qu'ils me fassent une fougasse. Ils sont dessalés? Ah oui, ils sont tout prêts. C'est d'accord, mets les anchois sur le comptoir. Ouais. À quelle heure tu la veux? Bah, je sais pas, vers 4 heures. C'est d'accord, rentre, rentre. Bah, c'est pas éclairé. Oh, Ellie! Tu ne trouves pas le bouton! Ah, ça y est, elle a trouvé! Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour une fougasse sans anchois. C'est d'accord, Aurélie, mets les anchois sur le comptoir. Merci, madame Aurélie. Adieu, boulanger. Adieu. Alors, il est content, le berger? Oh, oui, merci, boulanger. Ça m'a fait bien plaisir. Merci madame la boulangère, ça m'a fait plaisir du fond du cœur. Alors, au revoir. Au revoir berger. Allez, monte maintenant ma chérie que tu vas taper froid. Hein? Dominique, ne fais pas l'imbécile. Allez, viens à la maison. Allez, viens. Elle est là, derrière ce rideau. Oh mon Dieu. Tu n'es pas un peu fou de te mettre dans des états pareils? D'après ce que tu m'avais dit ce matin, quand même, tu t'en doutais un peu? Je n'aurais jamais cru que ça aille si vite. Tu nous racontes pas une histoire, là. Touche mon cœur. On dirait des coups de marteau. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle t'a dit? À peine je suis entré dans la nuit, j'ai entendu comme un bruit d'étoffe. Puis une respiration profonde. Et puis, 2 bras autour de mon cou. Et puis, elle m'a mordu la bouche. Au moins, moi je m'en doutais que c'était une femme comme ça. Des femmes comme ça, je n'en ai jamais vu, même en rêve. Tu rigoles? Ce matin, elle fait ta connaissance, et ce soir, elle te mange les babines. Mais quand ça vous prend si vite, c'est que ça vous prend souvent. Pourquoi? C'est vrai ce que tu nous dis. Tout le village va y passer. Ne rappelle jamais une chose pareille, tu entends? Menteur! Sinon, je t'estropie pour la vie. Oh Dominique, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et ce qu'elle m'a dit, tu ne sais pas ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, si tu es un homme, trouve-toi derrière l'église à 5 heures avec un cheval. Tu m'emporteras où tu voudras. Elle quitte son mari, sa boulangerie, son pain, ses sous. Elle veut tout perdre pour moi. À 5 heures derrière l'église. Et tu vas y aller? Oui, oh oui. Et le mari? Entre la première et la deuxième fournée, il dort pendant 2 heures. Il ne verra pas passer. Et où tu l'emmèneras? Je ne sais pas. Il est fou. Au moins donne-moi la fougasse, qu'on la goûte. Tiens, mange, imbécile. Esprit. Tu vas monter jusqu'en haut de la ferme, et de juste avant la pointe du jour, tu me ramèneras Scipion. Le cheval de madame la marquise? Il n'est pas encore assez beau pour elle. Et toi, tu peux pas aller le chercher? Non, il faut que je reste là, tu comprends, près d'elle. Il me semble qu'il n'a plus sa raison, hein. Franchement. Écoute, esprit. Tu te rappelles, l'année dernière, quand il avait pris froid, et qu'un peu plus tu mourrais? D'abord, tu avais eu le frisson, 2 ou 3 fois. Tu m'avais dit, je me sens tout drôle. Je ne vois plus où je pose mon pied quand je marche. Eh bien, je suis comme toi depuis ce matin, depuis qu'elle m'a regardé. Vers le soir, la fièvre t'a pris. Tu voulais sortir par la fenêtre. Nous étions 3 pour te retenir. Tu criais, tu pleurais, tu voulais sortir de ton lit. Alors, il est venu. Le maître berger, celui de Ganagobi. Et t'a fait un remède avec des herbes. Mais moi, ce n'est pas un remède avec des herbes qu'il me faut. Je sens que j'ai perdu toute ma force. Je fais des gestes sans le vouloir. Le sang me brûle les oreilles.
Tu vois, j'ai soif depuis 2 heures. Et pourtant, je ne veux pas boire. Pascal m'a mordu la bouche. La fougasse, j'en ai pas voulu. Parce qu'après ce qu'elle m'a fait, ça aurait été trop sale de manger dessus. Esprit, ne me parle pas d'oublier. Je ne peux pas. Notre madame dit, qu'est-ce qu'elle va dire quand elle s'en apercevra? Tu lui expliqueras que c'est pour une femme, elle comprendra. Pour toi, sûr, elle comprendra. Mais le cheval, elle va gueuler pour le cheval. Oh, mais le cheval, je le renverrai. Je le confierai à quelques paysans qui le ramèneront jusqu'au village. Ou qui vont le vendre à l'abattoir. Non, non, je sais de qui je parle. C'est de l'argent, quand même. J'ai l'argent dans la ceinture. Tu vas me le chercher, Scipion? Oui, je te le mène derrière l'église. Oui, merci, esprit. Tu me donnes le paradis. Écoute, tu t'occuperas du chien? Oui, oui, bien sûr. Fais attention qu'il n'aille pas dans la cuisine. Parce qu'il lui donne des os de poulet et ça lui fait mal. J'ai du regret pour cette bête. Parce que ce qui m'arrive, ça lui est arrivé. Il était parti 5 jours avec une chienne. Et quand il est revenu, je l'ai frappé. Je ne savais pas. À 5 heures derrière l'église. Ah, il y a les boulangers qui dorment toute la journée. Eh bien, moi, pas. Moi, à 7 heures, je prépare tout, je vais me coucher. À 1 heure, je descends, je pétris et je me fous. Ah. Et tu vois l'heure qu'il est? 4 heures juste, hein. Oh, c'est bien rare que je finis pas à 4 heures juste. Hein. Et pendant que la fournée se cuit, là, je dors sur mon pétrin. Encore 1 heure et demie. À 6 heures et demie, quand ma femme descend, elle me réveille, je défourne. Et je prépare la seconde pour 10 heures. De quel côté tu vas braconner? Dans le pré, là, tu sais, le long de la Durance. Oui. Alors là, je sais de lièvres. Ça m'étonnerait si j'en rapportais pas. Hein. J'ai posé des pièges. Ah, c'est une petite marronne, toi. Bon, c'est la garde, cette fougasse. Allez. Hein. Regarde, celle te va comme ça. Je commence à peine à dorer. Hein. Ah non, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Hein. Allez. Ah, touche à pas qu'elle te brûle. Voilà, ah, là. Bon. Attends, je vais te la mettre dans le carrier. Ça va te chauffer les fesses, Matonine. Voilà. Oh, bah c'est chauffer les fesses avec le petit vent du matin, hein, ça ira tout à fait bien. Hein. Bon, et dis donc, boulanger, combien je te dois? Oh, comme c'est la première que je chaufferai, tu ne me dois rien, un petit merci, voilà tout. Ah, oh, ben ça, c'est gentil. Hein. Bon, bah alors, à midi, je t'offrirai l'apéritif au sec. L'apéritif à moi? Ouais. Oh, que non, et hey, je bois même pas du vin. Alors. Ah, bon. Bon, bah alors, je t'emmènerai 2 griffes. Ah, oui. Parce que si tu me donnes ta boulange, eh ben moi, je te donnerai de ma braconne, hein. Bon allez, adieu boulanger, je file vite parce que le jour va bien pointer. Allez zou souffrance, on y va. Pourquoi tu l'as fait souffrance? Parce que je l'ai trouvé tout petit, plein de gale, avec une patte cassée. Alors il souffrait beaucoup, hein. Oui. Ah, alors j'ai mis souffrance. Hein. Pourquoi il est tout gonflé comme ça, regarde? On dirait qu'il est plein de bouffigues là. Ah oui, non, mais ça c'est parce que c'est un chien qui aime trop le miel, ah, hein. Ah voilà. Ouais. Ah, hein. Et puis alors, non, c'est pas les abeilles, hein, qui le... Hein? Allez, allez, boulanger! Ah, mais sois bien, je vais dormir encore un petit peu, hein. Je me suis pas réveillé. Oh, c'est en poulie. Oh, pour du travail, hein, c'est pas du travail. Oh, je passe après 2 heures plus tard et voilà tout. Mais c'est ma femme qui me réveille d'habitude. Mais la pauvre petite est fatiguée de l'installation. Elle doit dormir comme un enfant.
vais aller lui annoncer la catastrophe tout doucement pour pas lui faire de peine. Parce que ça, elle va le craindre, tu sais. Oh, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Eh, si vous me dites à les premiers, tirez plus vite. Hein. Allez, attention, il est chaud, hein. Attention, ne le casse pas, ne le brûle pas. Ouh, mais ça brûle. Ah, bah oui, c'est chaud. Hein. Ouais, ouh. Et c'est pas la fleur, attends. Oh, mais il est foutu. Oh là là, hein. Ça brûle. Oh là là, quelle catastrophe. Oh là là là. Mais vous allez la réveiller gentiment avec une bonne tasse de café, ça la mettra de bonne humeur. Oh, ma pauvre petite chérie si fatiguée. Cocotte, ma belle cocotte, cocotte. Où il est depuis la bonne humeur. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui faites le pain aujourd'hui? Eh oui, et comme c'était la première fois, nous n'avons pas bien réussi. Mon Dieu, quel malheur, mon Dieu. Mais quelle idée il a eu ce boulanger de confier le pain à deux imbéciles comme vous autres. Toujours aimable, ma belle Huniette. Eh bien, tu sauras que l'imbécile, c'est pas nous. Eh non, c'est le boulanger qui a brûlé sa fournée. Mais qu'est-ce que c'est que ce boulanger? Ça, ce que c'est, on le saura un jour ou l'autre. Aïe. Oh, le voilà. Que ça, alors? Ma femme, elle m'a fait une blague. De si bonne heure? Oui, elle s'est cachée. Oh. Bah, et pour quoi faire? Mais pour jouer, pour s'amuser, hein. Mais votre maison est quand même pas assez grande pour jouer aux cachettes à 7h du matin. Ça, c'est drôle, j'ai laissé à 2h. Elle dormait comme un petit enfant. Et là, à sa place, il y a un rouleau de couverture. Mon Dieu, quel malheur! Qui c'est qui l'a mis sur le rouleau de couverture? Mais c'est elle qui veut que ce soit. Il est drôle, lui. Et les clés, là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est son trousseau. Ça y est, je sais où elle est. Elle doit être au jardin. Elle a passé pendant que je dormais, elle a pensé que j'aurais besoin d'ouvrir un tiroir ou une armoire, elle m'a laissé les clés. Bon, je vais au jardin, tu me gardes la boutique? Oui. C'est pas loin, hein. C'est à l'entrée du village. Je reviens avec elle dans 2 minutes. Oh, attends. J'y suis passé, moi, devant ton jardin. Oui. Il y avait personne. Dans le jardin d'à côté, il y avait le papé. Il mettait les raffias aux tomates. Regarde, là. Ah, oui, c'est le curé. Ouais, qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Bonjour, les amis. Bonjour, monsieur le curé. C'est vous qui faites les commissions aujourd'hui, monsieur le curé? Oui, mais ce ne sont pas des commissions ordinaires, ma bonne miette. Ouais. Ça sent roussi, vous l'en faites. J'ai brûlé ma fournée. Toutes vos miches? Toutes nos miches. Oh, là. Dites-moi, je viens commander le pain béni pour dimanche. Dites, monsieur le curé, je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Vous venez de l'église? J'en viens, j'y vais. Ma femme n'y est pas? L'église? Oui, ça fait 2 heures qu'elle a disparu. Je suis allé voir au jardin, elle n'y est pas. Alors je me suis pensé que peut-être par hasard, elle serait venue à l'église. Mais vous faites bien de dire par hasard, mon ami. Parce qu'entre nous, je n'y ai pas encore vu. Mais vous savez, nous sommes là que depuis 5 jours, et il n'y a pas eu de dimanche. Mais elle ira aujourd'hui probablement. Oh, une femme qui va probablement à la messe le dimanche, mais probablement va une femme qui va à l'église à 7 heures du matin. Mais je vous dis ça parce que lorsque nous étions à Manosque, elle y allait tous les jours à 6h30 pendant que je faisais ma seconde fournée. Eh oui, chaque matin. Mais vous savez, ce n'était pas pour se faire remarquer. Tout au contraire, elle se mettait au fond de l'église, derrière un pilier, elle se cachait si modestement que personne ne l'a jamais vue. Alors moi, je croyais qu'aujourd'hui... Mais écoutez, aujourd'hui, si elle est venue, c'est qu'elle s'est cachée aussi bien qu'à Manosque. Si elle n'est pas à l'église. Mais alors? Mais je me demande où c'est qu'elle peut être. Et Dieu, mon ami, vous vous demandez où il est? Ah non, Dieu, je sais où il est. Il est au-dessus de l'autel, au milieu des cierges. Dieu est partout, mon ami. Et je souhaite sincèrement qu'en ce moment même, il soit auprès de votre femme. Ah, je souhaite aussi, hein, parce que je préfère que ce soit lui qu'un autre. Hein. Oui, certainement. Et je vous verrai sans doute à la grand-messe. Ah, je pourrais pas, monsieur le curé, à cause de mon levain. Regardez, il est presque prêt. Hein. Oui. Il faut attendre un peu qu'il est levé. Hein. Il est un peu mou, hein. Il est un peu mou, effectivement. Oui, c'est pas prêt tout de suite, là. Non. Mais je vais dire la messe de 7h. Venez, suivez-moi. Maintenant? Oui, maintenant. C'est un grand secours, merci. C'est un grand secours que je vous offre. Maintenant. Allez. Venez, boulanger. Je suis patient, mais il ne faut pas le faire attendre. J'arrive, je vous suis. Oh, dis donc. Pour moi, je ne voudrais pas en dire du mal, mais il faut bien reconnaître qu'avec ce rouge et cette poudre, cette personne me fait l'effet d'une créature.
et qu'on peut s'attendre à tout. Hein. Et, mais si vous croyez qu'on trouve un galant en 4 jours... Oh, mais surtout oui. Oh. Et vous, mademoiselle Angèle, ça fait longtemps que vous en cherchez. Hein. Ma pauvre Mirek, vous êtes qu'une russe. Vous ne sauriez imaginer combien de regards d'hommes m'ont forcé à baisser les yeux. Ça, j'en suis témoin. À la foire de Bannon, il y avait un grand maigre qui regardait mademoiselle Angèle d'une manière, d'une façon, que si on l'avait laissé faire, il l'aurait mangée toute vue vivante. Oh, on l'a mangée, ça peut être. C'était sans doute un cannibale. N'empêche, une qui est vraiment belle, c'est la femme du boulanger. Ah. Ma pauvre Mireille, la beauté, ce n'est rien. Ça n'intéresse pas les hommes. Ce qu'il faut avoir, c'est du vice. Ah, si l'on veut avoir du vice. Ah, mais ça c'est sûr, si tu veux te mettre de la poudre tous les jours, de la peinture sur les yeux, et te raser tous les matins, et remuer ton derrière quand tu marches. Ah, ça c'est sûr, ils vont tous courir après toi. J'espère qu'un jour, nous verrons mademoiselle Angèle se livrer à ce genre d'exercice. Une chose que je recherche. Oh, et que Dieu me préserve de l'obtenir. Non. Même sans le vouloir. Alors viens, absolument viens. Vous ne l'avez pas trouvée? Non, elle est peut-être rentrée par derrière. Personne n'est allé voir dans sa chambre. Ah non. Oh, ben Aurélie, mais où es-tu, Aurélie? Ils ont des yeux, mais ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Il faudrait savoir si dans le village, il ne manque pas un homme. Aurélie ! Mais pourquoi ? Parce que si elle est partie, elle n'est sans doute pas partie toute seule. Dieu du ciel ! Mon mari, mon homme, il m'a dit qu'il allait à la chasse ce matin. Et avant de partir, il m'a fait une grosse caresse. Oh, Jésus-Marie-Joseph ! Un homme marié! Oh, les bras m'en tombent, le menteur! Oh! Hé, t'inquiète pas pour ton mari, il va venir! Elle a dû trouver quelques bel homme. Oh, bah, une qui va revenir, c'est sûr, c'est la femme du boulanger. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait de la paille dans le dos! Il y a pas à dire! Un trou, attendons! Bah, une autre part! Attendons! Oh, le curé est un saint homme! Il m'a filé une messe en première, j'ai rien compris. Il m'a dit d'avoir confiance à la bonté de Dieu et de venir me confesser demain après-midi. C'est bien gentil tout ça, mais ça ne me dit pas où elle est. Hein. Vous ne vous étiez pas disputé hier au soir. Pensez-vous, nous sommes mariés depuis 5 ans, nous n'avons jamais eu la moindre dispute. Et d'abord, c'est une femme très calme et qui ne parle pas beaucoup. Mais dis-moi, boulanger, en réfléchissant bien, tu n'as aucun soupçon, aucune idée de la direction qu'elle aurait pu prendre? Ah, il y a peut-être une chose qui soit peut-être encore possible. C'est qu'elle s'est languie de sa mère, oui, c'est ça. Et qu'elle est allée la voir. C'est à 30 km d'ici. Et pourquoi elle ne te l'aurait pas dit? Mais par peur que je lui refuse. Tu sais, les femmes, ça a des idées brusques et des envies. C'est un peu comme les chèvres. Oh! Pour moi, au fond, c'est ça. La fatigue de l'installation, ça l'a énervée, ça lui a donné un coup de cafard, elle a eu envie d'aller voir sa mère. Voilà. Mais c'est ça, parbleu, que je suis bête de me faire du souci. Elle est chez sa mère et voilà tout. Hein. Parce qu'elle aime beaucoup sa mère. Oh, si vous saviez. Oh, à la folie. Hein. Elle doit aller la voir souvent, je suppose. Oh mon Dieu, tant qu'elle peut. Hein. Et toi, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je pétris. Hein. Évidemment, il pétrit. Ça ne réussit pas toujours, mais il pétrit. Elle est marrante, elle. Qu'est-ce qu'elle voudrait que je fasse, hein? Oh là 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 là, c'est quoi tout ce monde? Non, ce n'est rien, il n'y a rien, et on t'expliquera plus tard. Oh, et regardez-moi ça, si c'est beau. Ah, ouais. Bon, hein? Ah, pour être beau, il est beau, hein? Ouais, ben oui, il est beau. Quoi? Alors, il sera dur. Il a au moins 3 ans. Jalouse. Oh,
Et dis donc, boulanger. Oui. Alors, j'ai tes deux grilles. Alors, il y a la grosse et la petite. Hein. Regarde. Alors, la seille, c'est plus gros. Oui. Mais le dent, eh ben, c'est meilleur. Oh, merci, Pauline. Tu es bien brave. Je vais les ranger. Hein. Ouais. Ils seront beaux, je crois. Seulement maintenant, avec deux grives, il y en a une de reste. Sa femme a disparu. Oh, disparu, non, non. Elle n'a pas disparu. Elle n'est plus ici, voilà tout. Parce qu'elle est probablement chez sa mère. Remarque, j'en suis pas sûr. Mais où serait-elle? Tu le sais, toi? Tu l'aurais pas rencontrée? Moi? Tu n'as vu personne? Bah, évidemment que j'ai vu du monde. Tiens, j'ai rencontré le facteur qui montait. Oui. Alors, il était à bicyclette. Et puis, j'ai vu un homme qui labourait, tu sais, au plateau de la Badoque. Oui. Et puis, j'ai vu... Enfin, m'a semblé voir un cheval qui passait. Mais on ne te parle pas d'un cheval. Je te demande si tu sais où est ma femme. Ah, non, j'en sais rien. Et le cheval, il était tout seul? Bah, évidemment qu'il avait du monde sur les skis, non? Une femme? Il m'a semblé une femme. Alors, c'est pas elle, c'est pas elle. Je vais te dire, elle sait pas monter à cheval. Non, les chevaux, rien que de les voir, ça lui fait peur. Jamais, jamais serait monté sur un cheval. Et ben voilà une preuve décisive. Et cette femme sur ce cheval, elle n'était peut-être pas seule? Ah non, 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 elle n'était pas seule. Ah, il y avait plusieurs personnes sur l'animal. Eh bien, il y avait un homme aussi. Un homme? Oula, voilà, il doit être fort ce cheval. C'est un peu comme un tandem qui est plus fort qu'une bicyclette. La femme était-elle devant l'homme? Comme dans les animaux mexicains? Oh ben ça, mademoiselle Angèle, les Mexicains, je les connais pas, j'en ai jamais vu. Elle était à cheval derrière lui, elle se tenait à son cou, comme ça. Alors c'est pas elle. Non, non, elle n'est pas si familière que ça. Non, 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 non. Plus j'y pense, plus j'en suis sûr, elle est allée chez sa mère comme ça, brusquement. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle l'institutrice? Ce qu'elle en pense, elle ne vous le dira pas. Mais pourquoi, hein? Mademoiselle Angèle parle sans savoir. Je réfléchis et je pense qu'en bonne logique... Eh bien, vous voyez, hein, en bonne logique, hein? En bonne logique, si elle allait voir sa mère sans vous le dire de peur d'un refus, mais alors là, il me semble qu'elle vous aurait laissé un petit mot sur un papier. Ouais. Mais naturellement, voilà. Mais naturellement qu'elle m'a laissé un mot. Et moi, comme un grand imbécile que je suis, j'ai pas pensé à regarder. Mais il doit être sur la commode. Voilà. Oh, merci. Oh, merci. Oh, je suis content. Merci. Merci, mademoiselle. C'est vrai. Mais pourquoi le laissez-vous monter? Vous savez bien que ce papier ne le trouvera pas. En voilà une qui l'a vu, mais qui n'ose pas le dire. En voilà d'autres qui savent fort bien de quoi il s'agit, mais qui ne parleront pas. Ils laisseront ce malheureux patauger dans un espoir purulent. Eh bien, puisque vous ne voulez pas parler, eh bien, moi, je vais parler. Non, 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 mademoiselle Angèle, vous ne parlerez pas, parce que vous ne savez rien, sauf les inventions de votre haine contre une femme ravissante. Ravissante? Pour son ravisseur, sans doute. Eh oui, ravissante. Parfaitement, ravissante. Et de plus, si vous dites un seul mot, eh bien moi j'irai me confesser à votre place. Ceci ne signifie rien. J'irai m'agenouiller dans un confessionnal, dans la nuit, et je parlerai à voix basse, et je dirai, mon père, je m'appelle Angèle, et je m'accuse. Je m'accuse de quoi? Je ne lui dirai pas ce que vous avez fait, parce que je ne le sais pas. Mais je lui dirai ce que vous pensez. Je lui raconterai vos rêves. Tous vos rêves. Oh! Mais vous n'en avez pas le droit. D'abord, mes rêves, ben vous ne les connaissez pas. Et puis nous, mademoiselle Angèle, de toute façon, on n'a pas envie de les connaître, alors. Et dis donc, Tonine, c'est bien la femme du boulanger que tu as vue. Ah, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, j'ai dit, j'ai vu un cheval, il portait un homme et une femme. Et puis, il s'en allait, là, tu sais, du côté des marais. Ah oui, oui, oui. Alors, l'homme, ressemblait... au berger de la marquise. Et la femme? La femme ressemblait à la femme du boulanger. Ouais. Alors comme ça, elle est partie avec lui. Attention. Attention, mademoiselle l'institutrice. J'ai dit ressembler. J'ai pas dit que c'était eux. Hein. Mais enfin bon, ça leur ressemblait beaucoup. Hein. Et puis alors, ça ressemblait à des gens qui s'aiment et qui vont n'importe où pour s'embrasser tranquillement. Et si vous voulez mon avis, hein, eh ben, ça ressemblait à des gens qui ne reviendront pas. Oh là 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 là.
et notre pauvre boulanger. Eh ben, il ressemble énormément à un cookie, non? Eh ben, il fallait s'y attendre. Eh ben, ouais. Eh ben, on a beau s'y attendre, mais quand ça ne doit pas arriver, eh ben, ça n'arrive pas. Eh ben, voilà. Là. Ouais. 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 Bonjour, mesdames. Bonjour. Où est boulanger? C'est toi, Aurélie? Non, boulanger, c'est la marquise. Veux-tu descendre un instant? Tout de suite, madame la marquise. Et vous, ne restez pas ici. Ah, bon. Bon. Non, ce pourrait être très gênant pour lui. Oh. Et ne laissez entrer personne. Oh, ben non. Oh. Allez, allez, allez. Oh, oh. C'est quand même pas bien, hein. Quel oh. Oh. Chaque fois qu'il se passe quelque chose d'intéressant, on est dehors. Oh. On a vraiment marre, hein. Oh, madame la marquise, vous venez pour le pain? Vous avez su la catastrophe? Eh oui, un malheur n'arrive jamais seul. Tu es au courant? Non, au courant de quoi? Ta femme? Ah, c'est de ça que vous voulez parler. Oui, je suis au courant. Elle est allée chez sa mère, elle m'a laissé un petit papier que le coroner a dû emporter. Justement, j'étais en train de le chercher. Et vous avez des nouvelles, vous? Eh oui, mon vieux, j'ai des nouvelles. Et elles sont terriblement précises. Ta femme est partie avec Dominique, mon premier berger. Madame la marquise, c'est pas raisonnable ce que vous dites là. Mais qui c'est qui a pu vous raconter ça, hein? Ta femme et mon berger sont partis ce matin à 5 heures. Et pour s'enfuir, ils ont volé Scipion, mon meilleur cheval. Un cheval. Ils l'auront emporté à cheval. Oui. Eh bien, dis-nous, il a bien du tout peur, celui-là, de l'emporter à cheval. Et dit, et si elle tombait, et qu'elle se casse une jambe, et où serait-il en ce moment? Ça, on n'en sait rien. Et qu'est-ce qu'ils auraient bien pu aller faire ensemble, hein? L'amour, tout bêtement, voyons. Madame la marquise, ils sont venus hier pour la première fois. Oui. Eh, vous savez pas qu'Aurélie, il a fallu que je lui fasse la cour pendant 3 ans pour qu'elle dise oui. Et encore, c'était pour l'épouser. Oui, mais ce n'est peut-être pas la même chose, hein? Ah, vous l'avez dit, madame la marquise. Si vous connaisseriez Aurélie, vous penseriez à tout sous face-là. Ah oui. Écoutez, nous sommes entre nous, oui. Je peux vous faire des confidences. Allez-y. Aurélie, c'est une femme que les choses de l'amour, ça ne l'intéresse pas du tout. Ah, parlez-lui de vendre son pain, de faire sa caisse, de brûler les combinaisons, mais ne lui parlez pas d'amour, elle ne vous écouterait même pas, hein. Ce n'est pourtant pas toi qui lis ces livres-là. Ah, ces livres-là, oui. Non, ça c'est elle. Oui. C'est des romans d'amour. Ouais, elle en lit tout le temps. Elle les trouve comiques. Qui t'a dit ça? Ah ben c'est elle, puis je l'ai vue. Tenez, un soir, c'était en hiver. J'étais sur mon pétrin en train de préparer mon levain. Oui. Elle était assise sur un sac de farine, près du four. Elle lisait un livre qui avait l'air de l'intéresser. Oui. Soudain, elle s'arrête. Elle me regarde. Elle se met à rire. Mais à rire d'une force, madame la marquise. Elle n'arrivait plus à s'arrêter. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu lis? Elle me fait un roman d'amour. Et c'était vrai, c'était écrit sur la couverture. Mm-hmm. Mais du rire, madame la marquise, elle s'est mise une crise de nerfs qu'elle en a pleuré toute la nuit. Elle a trouvé ça tellement rigolo. Les femmes sont compliquées tout de même. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pire qu'une monde. Mais moi, je la connais. Et je peux vous dire qu'avant de l'épouser, j'ai bien réfléchi pour la comprendre. Quand on a plus de 60 ans et qu'on se marie avec une fille de 20 ans, oula, faut prendre ses précautions. Mais j'avais remarqué qu'elle n'écoutait pas bien volontiers les jeunes gens. Non, non, mais... ça ne l'intéressait pas. Et d'ailleurs, si elle avait aimé les beaux garçons, est-ce qu'elle se serait mariée avec moi, hein? L'un n'empêche pas l'autre. Non, je ne suis pas joli, je sais. Mais vous savez, si on fait le compte de tout, j'en vaux bien d'autres. Oui. S'il y a bien chez moi, vous voyez, c'est pas l'aventure. Hein. Vous comprenez, hein? Ce serait plutôt l'intérieur du magasin. Hein. Ça, boulanger, je commence à le croire. Mais, oui, pour oui. Mais pour vous en revenir aux jeunes gens, figurez-vous que 2 jours avant notre mariage, oui. Elle me dit, aimable, je dois te prévenir qu'avant de te connaître, j'ai eu un amant. Oh, vous pensez, ça m'a choqué. Elle me dit, c'est un jeune homme de la ville, très grand, très beau, avec une bonne situation, c'est un danseur extraordinaire. Alors je lui dis, où il est? Elle me fait, il est mort. Oh. Et c'était vrai. Mais alors, elle m'a dit ça, madame la marquise, avec un calme. Un sang-froid, quelque chose de glacé. De glacé. Mais je l'ai épousé quand même parce que je me suis dit, aimable, tu ne risques rien, il est mort, et par conséquent, tu es beaucoup plus beau que lui. Parfaitement raisonné, oui, oui. Mais j'étais presque content de cette histoire parce que sa façon de parler du pauvre mort me faisait croire qu'elle n'avait pas de tempérament. Eh bien, l'expérience m'a prouvé que j'avais raison.
Quand je l'embrasse, vous voyez que je l'embrasse, elle se laisse faire, sans dégoût, mais alors, sans plaisir. Une porte ressentirait plus d'émotion. Mais je vous en parle savamment, parce que je suis son mari depuis 5 ans. Tout ça pour vous dire, madame la marquise, que malgré qu'elle soit belle, élégante, qu'on ait tant de plaisir à la regarder, et qu'elle semble faite pour l'amour, eh bien l'amour n'est pas fait pour elle. En somme, ce serait une magnifique fleur sans parfum. C'est tout à fait ça, madame la marquise, c'est tout à fait ça. Une merveilleuse fleur sans parfum. C'est peut-être toi qui es enrhumée. Jamais un rhume, jamais une angine, non, 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 non. Et puis c'est pas ça qui refroidira une femme, non, non, non. Puis je vais vous dire, votre berger, moi je n'y crois pas, je n'y crois pas. Il a pris toutes ses économies. Ça veut dire qu'il ne reviendra pas. Et puis, il y a Tonine qui les a vus au petit jour. Demande-lui. Oh, madame la marquise. Oh non. Madame la marquise. Oh, mais non. Boulanger. Allons, mon ami. La maison me serait tombée sur la tête. Elle m'aurait peut-être tué complètement, mais elle ne m'aurait pas fait autant. Oui, je te comprends, mon pauvre vieux. Et tu ne te doutais de rien? Mais comment voulez-vous? Qu'on se doute d'une chose que même quand on vous l'a dit, on n'arrive pas à le croire. Non. Non. Que je suis bête d'écouter vos histoires comme ça, puisque je vous dis que c'est pas possible. Que ce berger soit parti, que ce voyou vous a volé un cheval, je le crois, puisque vous le dites. Que ma femme est allée le même jour chez sa mère, ce n'est qu'une coïncidence. Bien sûr, ça se dépêche pas à revenir, ça va faire parler les gens. Mais nous qui la connaissons, madame la marquise, nous ne pouvons pas faire des suppositions pareilles. Allons, un peu de bon sens, je vous en prie, hein. Enfin, toi, tu feras ce que tu voudras. Mais moi, du bon sens, j'en ai. Je perds un berger, je peux m'en passer, il a emmené ta femme. Ça n'est pas mon problème, mais moi, je veux revoir Scipion. Et quand avec sa belle, ils vont se trouver à court d'argent, ils sont capables de le bazarder au premier maquignon venu. C'est qu'il vaut 100 000 francs, Scipion, pas un sou de moi. Oh là là, une belle bête, hein. Mais très belle. Je vais déposer plainte à la gendarmerie. Mon berger ira en prison, tant pis pour lui. Ce sera bien fait pour lui, quand même, voler un cheval. Et un cheval de 100 000 francs. Mais ta femme ira aussi comme complice, voire même comme instigatrice. Mais voilà un drôle de mot. Mais il n'y est pour rien, ma femme, madame la marquise, non? Enfin, moi, je t'aurais prévenu, je vais déposer plainte. Mais attendez, n'allez pas si vite. Et pourquoi? Écoutez, ce berger est parti depuis 5 ou 6 heures, et tout de suite, vous l'accusez d'être un voleur. Moi, à votre place, j'attendrai un peu. Hein. Enfin, toi, tu feras ce que tu voudras, mais moi, je n'ai pas beaucoup de patience. Après tout, je n'y suis pour rien dans cette histoire. Je perds un berger, je peux m'en passer. Je perds un cheval de race. Et en plus, je ne suis même pas cocu. Alors je ne prends pas les choses à la légère. Écoutez, madame la marquise, s'ils ne reviennent jamais, ni le cheval, ni le berger, ni mon Aurélie, mais moi je vous les donnerai, moi, les 100 000 francs. Hein. Ah bon? Les prendras-tu? Mais vous savez qu'on est tiré sur la pâte. Pendant plus de 20 ans, on a quand même quelques sous de côté. Et si mon Aurélie ne revient pas, mais des sous, je n'aurai plus besoin. Et si j'ai la preuve que c'est la beauté de ma femme qui vous a fait tort d'un cheval, mais je vous le paierai. Attendez 2 jours, j'attends bien. Boulanger, tu es un brave homme. Prends ma main. Je suis avec toi. Tu as une amie, Boulanger. Merci, madame la marquise, vous me faites beaucoup de honneur. Madame la marquise, oui. Le cheval est revenu. Ah, c'est un paysan que je connais pas. Il est venu jusqu'au milieu de la place, il a attaché la bête à un arbre et il est reparti. Cet homme-là, est-ce que vous pourriez le reconnaître? Ah non, mademoiselle l'institutrice. D'abord, il était assez loin de moi et ensuite, je ne regarde pas les hommes. Et vous avez bien raison parce que les hommes ne vous regardent pas. Oh mon Dieu, la grand-mère. Ah. C'est ça, Scipion? C'est ça le cheval qui a soi-disant emporté ma femme? Oh non! Et pourquoi non? Oh non, il n'a pas la tête à ça! Oh écoute, boulanger, nous comprenons très bien! Non, vous ne comprenez rien et fichez-moi la paix! Mes affaires ne regardent que moi, j'ai brûlé ma fournée, je suis en retard, je dois vous faire du pain pour midi! Allez, traînassez au cercle et laissez-moi travailler tranquille, hein! Il est pas bien là? Moi, ouais, il me fait l'effet tout drôle, hein! Il ne veut pas le croire. Pensez-vous
Je ne vous dis pas qu'il ne le croit pas. Je dis qu'il ne veut pas le croire. Allez, ne restons pas ici, filons. Allez, on n'a jamais vu ça. Oh, il faut tout de même faire le pain. Même si c'est vrai, ils ont le droit au pain. Oh, elle était prête, cette pâte. Elle était prête, cette pâte. Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Aurélie! Des fois, voir si elle y était. Mais elle y est pas. Oh, j'attends la sortie. Et c'est bientôt fini? Ah oui, je crois. Oh, le curé. Le curé avec son sermon. Ah, ça. Bon, je t'envoie le petit, va venir te servir. Ah, là. Petit, va servir le boulanger. Une bouteille de Pernod. Pour les filles, un panneau? Non, une bouteille. Une demi-bouteille. Non, une bouteille d'un litre, un arrosoir d'eau filtrée. Un arrosoir, t'as compris? C'est pour boire. Et regarde, le boulanger, il a commandé un arrosoir d'eau et un litre de Pernod. Un arrosoir? Pour arroser quoi? Eh ben, Pernod t'y a parlé. Son histoire lui a tapé sur le cigare et veut se saouler. Ouais, non, mais hé, ça se défend quand même. Et dis donc, boulanger, t'es sûr que tu veux une bouteille d'un litre? Ouais, peut-être deux, hein. Fais voir ton arrosoir, hein. Oh, oh. Ouais, il est trop petit. Oh, oh. Eh ben, écoute, tu sais pas, hein, quand il sera vide, on ira encore le remplir. Dis donc, boulanger, ouais. À ce qui paraît que t'as soif? Oh, soif, non, non, je pense que j'ai vraiment soif. Mais je pense à tout ça, tu comprends? Madame la marquise s'est imaginée que ma femme était partie avec son berger. Oh non. Oh, ça ne ressemble à rien, mais elle le croit. Tu sais, on a beau avoir du bon sens et de la confiance, on finit quand même par s'imaginer des choses. Ben, ça tourbillonne comme ça dans ma tête. Alors, je me suis pensé que j'allais boire un grand coup pour être gay.
Ça vaut mieux que d'aller se noyer. Allez, à la tienne. Eh ben, t'as bien raison, boulanger, hein. Oui, prends la cuite, ça te soulagera. Oh, il a raison, il a raison. Ah, ben voilà. Ah, une cuite quand on en a vraiment besoin. Il ne s'agit pas de la prendre comme un mulet qui boit un seau d'eau. Une cuite de consolation, ça se prépare, ça se dose. Ben, bien sûr, puisque c'est un remède. Eh oui. Et dis donc, boulanger, ouais. Dis-moi d'abord jusqu'où tu veux aller. Ben, jusqu'à ce que j'y pense plus. Oh, t'es assez grand, t'es assez fort. Avec trois bien tassés, ça devrait être suffisant. Mais ça dépend s'il tient le coup quand même. Ah, est-ce que tu tiens le coup, boulanger? Ben, je sais pas, j'ai jamais essayé. Moi, je bois que de l'eau, alors. Je sais pas. Hein. Eh ben, on va le savoir tout de suite. Tiens, voilà le numéro 2. Eh, fais bien attention, on va y faire, hein. Tu les compteras, parce qu'il faudrait pas nous le tuer, hein. Ouf. Et ben moi j'en porte bien 4 ou 5 ans. Moi, j'en ai porté jusqu'à 8. Moi. Eh ben moi j'en porte jusqu'à 10. Ouais, mais faut dire que c'est mon métier. Hein. Mais moi c'est pas mon métier, mais alors j'en porte une paire superbe. Mais dis donc, boulanger, ça va déjà mieux. Ah, mais... Hein. Mais il n'y a pas de quoi rire. Ah ben hey, ce matin, le curé m'a fait une messe entière pour moi tout seul. Alors, hein. Ouais, mais c'est quand même un brave homme, ce curé. Hein, hein. Il a l'air sévère, mais il est bien brave. Ouais, ouais, ouais. Et après, je suis allé à la grand-messe pour voir sa gaieté. Ouais. Et là, il a parlé de ma femme. Sans dire, c'était elle, bien entendu. Ma femme, la pécheresse, la dévergondée, l'avertissement du Seigneur, et patin couffin. Lui trouve que c'est très bien comme ça. Lui dit que ça servira d'exemple aux autres maris du village. Il dit que les autres maris, ben, ça va les faire réfléchir. Ouais, ouais. Mais ma foi, c'est à moi que le malheur est arrivé. Et ça ne fait pas réfléchir du tout. Au contraire, ça m'empêche. Allez, à la vôtre. Trois. Mais t'inquiète pas, boulanger, ils vont venir d'ici 3 ou 4 jours. Et quand il n'y aura plus d'argent, évidemment, hein. Dites, aimable, à quelle heure il sera prêt le pain? Le pain? Mais quel pain? Bah, le pain, notre pain, celui que tu fais. Du pain? Mais il n'y en a pas. T'as pas fait la deuxième fournée? Non, ouais. Et non, mais plus cher, et il n'a pas eu la force, hein. Oh, la force, il l'aurait eu, ouais. Mais je n'avais pas envie. Tu en feras cet après-midi? Non. Ni cet après-midi, ni demain, ni après-demain, ni jamais. Et ces grands imbéciles qui font boire avant notre pain. Oh. Vous n'auriez pas pu attendre, non? Oh, ouais. Non, Millette, ça sert à rien d'attendre. Moi, je pétrissais, c'était pour ma femme. Je faisais d'abord son pain pour elle, et puis, puisque j'y étais, je faisais celui des autres. Mais celui des autres, c'était pas du pain, c'était de l'argent pour elle, tu comprends? Maintenant, elle est partie, eh ben du pain, eh ben j'en fais. On peut pas être à la fois boulanger et cocu. Tiens, Mike. 5. Eh ben, ça va mieux. Ah, hein. Oui. Eh ben, ça va beaucoup mieux. Faites-moi de la place que je me lève. Car voilà, mademoiselle l'institutrice. Bonjour, mademoiselle l'institutrice. Bonjour, boulanger, on dirait que vous êtes joyeux. Ah, joyeux, joyeux, c'est pas le mot. Je dirais que je suis optimiste. Et je veux faire la conversation. Je suis venu tout exprès. Ah, ben merci. Hein. Il est à point. Oui. Oui, non, mais et faut plus rien lui donner. Hein. Ah, non, la cure est terminée. Mademoiselle l'institutrice, quelquefois on croit que quelqu'un vous parle. Eh bien, pas du tout, il déclame pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me comprenez? Parfaitement. Venez avec moi. Oh, mais vous marchez. Mais vous marchez pas à droite, qu'est-ce que vous avez? Attendez, je vous explique. L'autre jour, je suis allé à la foire de Manon. Il y avait un monsieur que je connaissais pas. Il me faisait bonjour de la main avec un gracieux sourire. Et moi, je lui ai répondu. Et il prit un air très étonné. Mais c'est lui qui avait raison. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le bonjour, c'était pas pour moi.
c'était pour une jolie dame qui était derrière moi. Et voilà, voilà le danger. Et c'est un genre d'accident qui arrive énormément. Mes enfants, prenez-en de la graine et cultivez-la dans la pépinière. Et on devrait leur apprendre ça au catéchisme. Amen. Alors, boulanger, tout ce que vous dites est charmant. Mais vous savez ce que nous devrions faire? Non. Nous devrions aller chez vous. Et là, dans de bons fauteuils, nous pourrions encore boire un coup. Ah oui, non, mais ça, c'est une bonne idée, hein? Une excellente idée. Qu'en dites-vous? Moi, je dis que voilà, madame la marquise, avec son charmant prêcheur. Bonjour, madame la marquise. Salut, bonjour, monsieur le curé. Je suis charmé de vous voir, et même, je suis très honoré. Monsieur le curé, il n'est pas boulanger, hein, et ça se voit. Marc, il n'est pas coquin non plus. Quoi, ces choses-là? On n'en sait jamais rien. C'est mal, il fait. Alors, c'est très bien. Allez, venez, mon ami, venez. Oui, venez avec nous. Allez. Ah non, madame la marquise, ah non, ce n'est pas pour vous vexer. Oh non, vous, femme pleine de noblesse, vous, femme pleine de bonté, vous, femme respectée par toute la population, je te salue et je te respecte trop pour laisser dire du mal de toi. Oh là 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 là. Ah, mes enfants, ils sont là, mes enfants. Regardez-la bien avec sa belle gueule ronde qui ressemble à un pain de Silly. Ah, voilà une femme qui fait plaisir à voir. Des marquises comme la nôtre, ils n'en ont pas beaucoup en Angleterre. Hein. Merci, boulanger, tu es non, trop non. aimable. Non, mais maintenant, il faut aller le coucher. Il faut aller le coucher, boulanger. Je crois que tu as raison. Non, monsieur le curé. Je dis qu'elle a parlé trop vite. Pour une fois que je prends la fuite, il faut en faire profiter tout le monde. Et à propos, madame la marquise, oui. Vous savez chanter en italien? Non, pourquoi? C'est une chose très importante. Mais écoutez. Bloum, 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 bloum. Et la boulangère, et les grands fratigas, et le bergero, il chante avec sa guitare. Ouais, que tu me plais, que tu es ravissante. Viens nous regarder. Elles sont là. Les moutonniers avec moi. Et voilà. C'est pas plus difficile que ça. Et le lendemain matin, allez, au galop, Scipion, au galop. Bref, tu m'as dit que j'étais cocu. Eh bien, c'est un grade qui n'est pas pour toi. Tu pourras suivre toute ta vie le peloton des élèves cocus que tu n'y arriveras jamais. Parce que pour y arriver, il faut avoir une jolie peau. Alors la tienne, mon pauvre Maillefer, elle a plus de poils au menton que de roues au bout des tétons. Mais faites de quoi je parle. Oh, mais il y a des enfants qui écoutent. Des enfants et des jeunes filles. Non, mais les jeunes filles peuvent s'en aller toutes seules. Hein. Allez-vous-en, jeunes filles, allez-vous-en. Bon, allez, ça suffit. La plaisanterie a assez duré. Amenez les enfants, tout de suite, et vous, boulanger. Un peu de pudeur à cause des enfants dans une pipe. Oh, ne me parlez pas des enfants. Si j'avais pu lui en donner un, le malheur ne serait pas arrivé. Oui, mais justement, nous allons en parler de vos malheurs, mais pas devant le public, entre nous. Mais entre nous, ça devrait être défendu de parler en italien, mais surtout de chanter en italien. Parce que je vais vous dire, les hommes ne comprennent jamais, mais les femmes le comprennent toujours. Vous y êtes? Tout à fait. Eh bien écoutez, blum, 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 blum. Et le matin, au petit jour, quand on lui apporte une tasse de café, on ne trouve qu'un traversin. Et ça, c'est un mystère de plus. Et le pape, tu connais le pape, hein? Il est italien, hein? Oui. Mais il parle pas italien. Ah bon? Ah non, jamais. Il parle latin. Pourquoi? Parce que c'est un saint homme. Il ne veut pas que les femmes le suivent. Il est trop honnête pour ça. Mais qui aurait dit? Qui aurait dit qu'elle comprendrait l'italien? C'est un monde. Bon, venez, mon fils, venez. Mais vous savez, il ne faut pas prendre tout. Et figurez-vous en ce moment, mon père, j'ai beaucoup de soucis. J'ai, comme qui dirait, des inquiétudes maritales. Oui. Est-ce que vous me comprenez? Ils font bien, oui. Bon, vous m'avez vu ce matin de deux messes et d'un sermon. Ah, les deux messes, elles étaient réussies.
excellente messe. Les deux se ressemblent un peu, c'est normal. Mais disons que pour les messes, il est imbattable. C'est un champion. J'espère que les messes vous ont fait du bien. Oui, un bien immense, un bien immense. Mais seulement le sermon. Le sermon sur la pécheresse, franchement. Le sermon vous a choqué? Oui, navré, désolé, dévasté. Je te donne une fougasse et lui, il prend tout ça comme ça. Ah, croyez-moi, les bergers, c'est bien égoïste. Alors, je vous disais donc, mais pourquoi elle est partie? Pourquoi? Et vous le croyez-vous qu'elle est chez sa mère? Pourquoi pas? Alors, elle irait chez sa mère à cheval maintenant? Allez, non. Boulanger, cette fois, tu viens te reposer. Allez. Quoi dans la chambre, hein? Non, dans le fournil. Dans ton pétrin du fournil. Ah ben, comme ça, c'est possible. Dis, tire à voir. Dans la chambre, ça n'y est pas. D'accord. Allez, on y va. Allez. Ah, je vous le demande, madame la marquise. Comment voulez-vous que je fasse mon pain? C'est mon levain qui est parti, hein? Mais je te comprends, boulanger. Mais maintenant, il faudrait dormir un peu, mon ami. Allons, hein? Tu parles de dormir, toi, comme s'il n'y avait qu'à fermer les yeux. Mais il n'y a pas que ça. Et moi, si je ferme les yeux, eh ben, je vois trop de choses. Alors. Écoutez-moi. Oui. Écoutez-moi bien. Oui. Bon. Vous avez l'estime de tout Varennes. Ah oui. Vous faites un pain délicieux. Ah oui, ça je m'en flatte. Bon. Votre femme, par une erreur tout à fait incompréhensible. C'est ça, c'est le mot, c'est ça. Incompréhensible. Elle me quitte. Eh bien alors, pourquoi blasphémer, Maurice? Ne sentez-vous pas que la prière et la méditation sont les seuls remèdes à votre malheur? Mais la prière, c'est quand on a fait des péchés. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quand? À qui? Alors, parce que le bon Dieu a permis que ma femme s'envole avec un gardien de mouton, c'est moi qui dois demander pardon. Ah, le bon Dieu, je le respecte. Mais à partir d'aujourd'hui, il m'en doit. Que cette femme soit partie, ce n'est un crime que pour elle, c'est certain. Ça crève les yeux. Et puisque vous avez la conscience pure, eh bien, réfugiez-vous auprès du Seigneur. Il vous donnera tout ce qu'il ne vous doit pas. Il en parle à son aise, hein. Votre bon Dieu, il s'en ira pas, hein. Il est cloué sur une croix, hein. Et le mien, il est parti, hein. Vous blasphémez encore, mon fils? Écoutez, Sainte Cécile, c'est la patronne de notre village. Elle est belle, elle est douce, c'est une sainte. Et si je te disais qu'elle est partie avec un berger, qu'est-ce que tu dirais, hein? Je dirais que c'est absurde et sacrilège. Et moi, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'elle est chez sa mère, hein. Allez, repose-toi, boulanger. Maintenant que tu as la bonne cuite, endors-toi pour une heure ou deux. Et tu verras, va, en te réveillant, et ben tu comprendras mieux. Ah, cet oreiller. Ah, cet oreiller, je sais où tu l'as pris. Quand elle avait 16 ans, elle avait des seins comme des oranges. Et maintenant, ils sont vivants comme des pigeons. Ah, ses bras. Ah, l'odeur de ses bras. Taisez-vous, c'est abominable. Oh, que non, c'est pas abominable. Ah, sa tête. Ah, l'odeur de sa tête sur l'oreiller. Une nuit, il y a longtemps, un rêve lui avait fait peur, elle dormait, elle pleurait en dormant. Et soudain, elle s'est jetée sur moi, elle a mis sa figure là, comme ça, sur mon épaule. Et elle a dormi là, comme ça, avec ses cheveux chauds dans mon cou. Et maintenant, je suis tout seul. Et maintenant, je suis dans le pétrin. Vous voyez, madame la marquise, qu'on dit que quelqu'un est dans le pétrin. Et je suis dans le pétrin. Et un pétrin, on ne pétrit plus, parce que je dis qu'elle est chez sa mère, mais je commence à me douter qu'elle n'y est pas. Dites-moi vous-même, vous n'avez rien à vous reprocher. J'ai toujours été un bon mari, évidemment. Oh non, je suis vieux, je prends du ventre,
C'est une injustice terrible pour elle, parce que elle, c'est mon idéal, mais moi, je ne suis pas le sien. Maïfer me dit que je suis cornard. Bon, écoutez, c'est vrai, c'est pas vrai. Écoutez, mon père, une femme aussi jeune, aussi belle qu'elle, c'est d'avoir un mari superbe, jeune, musclé, jeune, bronzé, jeune, intelligent, jeune. Eh bien, son mari, c'est moi. Ah, ça veut dire que j'ai une de la chance. Une chance de cocu. Mais lequel qui est trompé? Mais ce n'est pas moi. C'est le beau jeune homme qui la méritait. On dit qu'elle me trompe avec le berger. Mais pas du tout. C'est moi depuis 5 ans qui ai trompé le berger avec elle. Hein? Alors, de quoi je me plaindrais, hein? Angèle. Oui? Tu trouves pas qu'elle devrait revenir? Oh, bah oui, je trouve. Et je suis sûre qu'elle reviendra. Mais c'est pour sa santé à elle. Parce que cet homme, il va pas savoir s'occuper d'elle. Il va la laisser prendre froid sur un cheval volé à 4 heures du matin. Aurélie! Aurélie, où es-tu? Oh, couvre-toi au moins. Allez manger, monsieur le curé. Je le garde. Il en a au moins pour 2 heures. C'est Mirette qui lui a donné les pernaux. Je vais organiser les recherches. Si tu as besoin de moi, fais-moi appeler au presbytère. Oui, madame la marquise. Oui, oui. Vous venez, monsieur le curé? Ben, j'arrive, j'arrive. Angèle. Oui? Fais bien attention que la porte reste ouverte. Bon. Je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Mon père, il avait une poule faisane dans son poulailler. Elle ne servait à rien, mais il l'aimait. Va savoir pourquoi. Dieu seul le sait, parce que Dieu sait tout. Mais un soir, comme à l'habitude, on a fermé la porte du poulailler. On n'a pas vu qu'elle n'était pas rentrée. Et quand elle est revenue, elle était forcée de rester dehors. Et tu sais ce qui est arrivé? Non. Mais le renard l'a dévorée. Oh. Alors laisse la porte ouverte, Angèle. Avis à la population marénoise. Madame la marquise et monsieur le boulanger vont vous faire un petit discours. Et maintenant, mes chers amis, je dis que nous n'avons qu'une solution. Nous avons le devoir d'oublier les haines familiales qui nous séparent les uns des autres. Nous avons le devoir de nous unir. Il faut retrouver la belle boulangère, non pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle représente notre pain quotidien. Elle n'est certainement pas loin. Oui. Les coupables sont partis de bonne heure ce matin. Le cheval qu'ils m'ont renvoyé n'a pas fourni un très gros effort et vous savez que je m'y connais. Si nous organisons les recherches dès maintenant, nous l'aurons retrouvé avant ce soir. Préparons donc dès maintenant et organisons dès aujourd'hui notre croisade pour retrouver la belle boulangère. Et maintenant, notre ami le boulanger, si douloureusement éprouvé par cette disparition inexplicable, mais qui sera consolé dès ce soir, va nous dire à son tour quelques mots. Ouais ! Mes amis, je ne sais pas parler comme madame la marquise, et comme je suis dans une situation ridicule, ce ne sera pas un joli discours. Et de plus, je suis gêné par cette lampe, au-dessus de ma tête, j'ai peur, en bougeant le trou, de l'accrocher à coup de corne. Alors, excusez-moi de ne pas avoir fait de pain aujourd'hui, ni de vous en faire demain. C'est parce qu'à cause du doute où je suis, je ne sais plus ce que je fais, j'en suis incapable. Alors j'ai eu peur de vous fabriquer, sans m'en apercevoir, du pain avec de la sciure, ou de vous pétrir les brioches à l'eau de chapelle. Mais si vous me ramenez mon Aurélie, si vous dissipez ce doute, alors vous aurez un vrai boulanger. Je vous ferai du pain comme vous n'en avez jamais vu. Je pétrirai chaque fournée une demi-heure de plus. Et dans les fagots pour chauffer le four, je mélangerai du romarin.
Et pendant qu'il cuira, je ne dormirai pas comme on fait d'habitude, mais j'ouvrirai la porte toutes les 5 minutes pour ne pas le perdre des yeux. Je vous ferai un pain si bon que ce ne sera plus un accompagnement pour autre chose, mais ce sera une friandise pour les gourmands. Il ne faudra plus dire, j'ai mangé une tartine de fromage sur du pain, il faudra dire, j'ai dégusté une tartine de pain sous le fromage. Et chaque jour, en plus de m'affourner, j'empêtrirai 5 kilos pour les pauvres. Et dans chaque miche que je vous ferai, il y aura une grande amitié et un grand, grand, grand merci. Ah, moi je n'ai plus guère d'espoir. Voyons, mon ami. Ah, ils se sont bien cachés ou alors ils sont allés très loin. Et on ne les retrouvera pas. Hein. Mon cher Emma, oui. 30 personnes sont parties à leur recherche. Oui. Et il n'en est encore rentré que 6. Oui, mais ces 6-là n'ont rien vu. Hein. Mais si, boulanger, en voilà 4 qui arrivent. Ah. Et elles chantent en plus. Voilà. Avez-vous trouvé quelque chose avant de vous saouler? Oui. Mais d'abord, on a quelque chose à dire au boulanger. Ouais. Ah bon? Allez, fille. Alors, 1, 2, 3. Merci, boulanger. Merci pour l'amitié. De rien. Ouais, là, et maintenant, il faut lui raconter tout comme il faut. Hein, parce qu'il y a sûrement quelque chose qui l'intéresse. Alors, figure-toi. Figure-toi qu'on s'est rencontrés toutes les 4 au château de la Pissardière. Alors là, il y avait le monsieur. Alors on lui a raconté tout ton malheur, hein. Et bien il a rigolé comme impossible. Et il vous a fait boire. Et il nous a fait boire. Allez, dis-leur la Suisse, Louise, que j'ai pas l'air de parler pour faire valoir. Allez, un peu à toi, mon ami Louise. Merci, Tony. Alors, figure-toi que le monsieur, qui est un artiste, a fait une chanson pour toi. Enfin, des paroles. Pour te remercier de nous avoir rendu l'amitié. Ah, mais attends, t'en vas pas. Il a laissé un paquet pour toi. Le cadeau que ta femme t'a fait. Ça vient de ma femme? Oui. C'est pour moi? C'est pas bon de te le curer, hein. Alors elle l'a vu alors? Ouais. Alors elle a pensé à moi? Ah. Oh que je suis content, elle me fait un cadeau. Oui. Des balles. Elle me fait un cadeau. Oui. Elle me fait un cadeau. Oui. Il va être content. Je suis content. Oh Mimi, c'est quoi? Oh je suis content. Elle me fait un cadeau. Oh je suis content. Alors. La plaisanterie est aussi aimable que spirituelle. Mmh. Et ben maintenant, on va te chanter la chanson de monsieur. Attention les filles. 1, 2, 3. Depuis qu'il emporte le diable, l'emporte ne peut plus passer sous les portes. Chantons merci berger, vive les cornes, vive les cornes. Chantons merci berger, vive les cornes du boulanger. Voilà boulanger. Oh. Oh, merci, vous êtes bien aimable. Ça me fait grand plaisir. Mais ça me fait penser que vous n'avez pas offert à boire. Alors, je vais aller vous chercher du rosé. Il y a très bon rosé à la cave. Hein. Non mais attendez. Non mais il y a tout de même un minimum de délicatesse, non? Oh, ben nous on voulait passer la chose en plaisanterie. Réussi. Et puis quoi, sa femme est partie, il l'avait pas acheté, hein, ça diminue pas son bien. De la façon qu'il prend la chose, on dirait qu'il a perdu un hectare. Ouais. Et puis elle est pas malade, elle est pas morte. Hein. Mmh. Alors là, je comprendrais qu'il se fasse du mauvais sang. Tandis que là, eh ben il sait qu'elle est heureuse. Oui. Ah. En tout cas, elle s'ennuie pas. Ah ouais. Merci, berger. Vive les cornes. Mais allez-vous en chanter la gueule. Vous ne comprenez pas le
chagrin de cet homme, parce que vous êtes incapable de l'éprouver. Non, mais vous lui faites de la peine. Merci, berger. Taisez-vous ou allez-vous-en. Merci, berger. Taisez-vous ou allez-vous-en. Merci, berger. Vive les femmes du boulanger. Non, mais est-ce que tu te rends compte? Elle est rendue où, là? Non, mais comment on va sortir de cette histoire? On ne sortira jamais. Inferme. On a retrouvé ta femme, on l'a retrouvée. Voilà, madame la marquise, on va savoir quelque chose. Tout est bien, tout finit bien. Oui, mais un peu de calme, s'il vous plaît. Où est-elle? On ne sait pas, elle n'est pas très loin, mais on ne sait pas très bien où elle est. Vous l'avez vue? Non, pas moi. Écoute, c'est Maillefer, Patience, le pêcheur. Je revenais de Mérargues avec François et nous n'avions rien trouvé. Nous en étions évidemment tout tristes pour toi. Et à l'entrée du village, nous avons croisé Patience qui rentrait. Et il m'a dit, j'ai vu la femme du boulanger. Ah. Quand? Il y a une heure. Où est-elle? Et là, il nous a dit, je vais le lui dire à lui. Alors, je ne lui ai pas posé de question parce que je le connais. Ah ben oui, hein. Si on le questionne, il ne répond plus. Mais vous êtes sûr qu'il l'a vu, hein? Oh, s'il l'a dit, c'est qu'il l'a vu. Et il va venir te renseigner. Mais surtout, je te recommande de ne pas l'interrompre et de ne pas lui poser de questions. Sinon, il se tait, il se lève et il s'en va. Oh, et vous, mesdames, tâchez d'écouter ce vieux maboule en silence, parce que sinon... On dira rien. Qui sait où aller? Donnez-moi quelque chose à boire. Ah. Tenez, mademoiselle Angèle, descendez à l'école. Allez chercher quelques bouteilles. Hein. Mais où il est, Maillefer? Mais où il est? Mais où il est? Où c'est qu'il va? Ah, monsieur le curé, vous savez quelque chose? Non, mon ami, je viens en nouvelle. En avons-nous? Oui. Nous ne savons pas encore lesquelles, mais nous savons que nous en avons. Ah. Maillefer, voilà Maillefer. Voilà, Maillefer. Voilà. Le voilà. Bonsoir, compagnie. Ah, bonsoir, Maillefer. C'est ta fête, boulanger? Bon, c'est peut-être ma fête, hein. C'est peut-être ma fête. Ça dépend ce que tu vas me dire, hein. Alors, je crois que c'est ta fête. Tu as vu ma femme? Ah, écoutez-moi, hein. Si on me coupe quand je parle, je peux plus rien dire. Je sais pas si tu le sais. Non. Mais au concours de boule de permis, en 1926, ou 27, non, 26, oui, c'est l'année où ceux de Pommiès ont gagné le concours. Au concours de boule de Pervis, j'ai reçu une boule sur la tête. Tiens, touche la bosse, elle y est encore, et je l'aurai jusqu'à ma mort. Touche la bosse, je te dis. Ah, oui, oui, oui. Eh bien, depuis cette bosse, si on me coupe, je ne trouve plus le fil. Tiens, assieds-toi. Va, Maillefer, personne ne te coupera. Bon, alors, ce matin, vers les 3 heures, j'étais dans mon lit et je pensais à ma pêche de la journée. Je me disais, le temps est au calme, tu vas aller au brochet du côté du gour de Roubaud. Justement, tu as du vif dans le vivier, et du beau vif, hein. Tu iras au brochet. C'était mon idée d'aller au brochet. C'était pas une bonne idée, avec le temps qu'il faisait. C'était une excellente idée. Mais tout d'un coup, j'étais dans mon lit, comme je vous l'ai dit. Tout d'un coup, j'entends bouger les feuilles des arbres. Et à ce moment, un volet claque contre un mur. Bon alors, je me lève. Et je sors. C'était du vent, mais il n'était pas franc. Un espèce de Mistral bâtard qui jouait presque aux quatre coins. Alors je me suis dit, adieu brochet. Avec la canne de 5 mètres et un vent pareil qui va peut-être forcir, tu vas te casser le poignet. Alors j'ai bien réfléchi et je ne suis pas décidé. Alors j'ai traînassé toute la matinée dans le village, je suis venu ici et l'histoire de ta femme nous a fait une distraction. À midi, je mange une poignée d'olives, une poignée d'amandes et je me mets dans l'idée d'aller pêcher au marais de Bistagne. Oui. Alors je prends une petite canne, une boîte de verre de fumier, des rouges, et je descends vers le marais. Et comme j'arrive derrière une haie, qu'est-ce que je vois? Oui alors, Maillefer, vous arrivez derrière une haie, qu'est-ce que vous voyez? Oui, qu'est-ce que je vois? Oui. Je m'en souviens plus. Oh ah oui, je vois ça.
Le Catherine, elle était vivante, bien entendu. Elle nageait doucettement. Ses belles nageoires grandes ouvertes. Allez, je me cache bien. J'amorce avec deux vers en croix. Et par-dessus la haie, je lance ma ligne. La pas lui tombe juste devant le nez. Hop, elle saute. Toc, je vais la faire. Et alors, ça a commencé. La première secousse, je m'y attendais. Je lui laisse du fil. Mais la seconde, elle était tellement imprévue qu'elle m'a surpris. Je croyais qu'elle allait tirer à droite. Hop, elle tire à gauche. Mon sion était tordu, pire qu'une baleine de parapluie. Ah, ce n'est pas tout le monde qui peut pêcher une caprille. Tenez, tout est là. Ça. Et puis ça. Alors, à la troisième secousse... Eh bien, à la troisième secousse, tu commences vraiment à nous emmerder. Quoi? Oui. Oui, c'est un peu long, tu vois pas le pauvre diable qui s'estrancine et que tu l'as fait attendre exprès. Bon, on m'a coupé, je m'en... Oh, Maïfère. Allez, assieds-toi là, Tu vas me dire où elle est ma patte, si je te demande, moi je te finis, hein. Au secours. Alors, là, plongée, lâchez-moi ça. Monsieur le curé, il a raison. Je compte jusqu'à trois. Un. Au secours. Deux. Ils sont dans une île, dans les marais, en face de la ferme du Jean Blanc. Tu les as vus? Laisse-moi respirer. Faites-moi voir un coup, bande d'assassins. Oh là là. Et vois pas tout. Ah, celle-là, elle est forte. Manquer d'être assassiné parce qu'on apporte une nouvelle. M'enfoncer la bosse, ça par exemple. Il y en a qui ont dû touper. Ça n'arriverait pas dans une gendarmerie. Faites pas un Bertrand, tu vous rendras en cagotte. Alors comment est-elle? Qu'est-ce qu'elle a? Ne me bouscule pas. Alors, pendant que je pêchais un gros poisson, et je te passe l'anguille, la tanche, la carpe, tout d'un coup, derrière les osiers, j'entends une voix de femme. Une voix de femme qui chantait. Nous y voilà. J'avance de carapachon, en me cachant sans faire de bruit, je regarde entre deux feuilles, et qu'est-ce que je vois? Et qu'est-ce que tu vois? Une anguille qui chante. Je veux dire ta femme qui chante. Le berger était couché dans l'herbe et il jouait de la guitare, tranquille et joyeux, comme un chômeur professionnel. Et ta femme, elle chante bien. Ah, pour ça, elle chante bien. Mais alors? Mais si elle chantait, c'est qu'elle était contente alors. Elle en avait l'air. Surtout qu'elle était... toute nue. Oh, toute nue. Ah, pour ça, oui. Oh, mon Dieu. Ah, elle est belle, hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? Peut-être était-elle tombée à l'eau, et alors, pour faire sécher ses vêtements au soleil... Oh, mais oui, monsieur le curé, c'est sûrement ça. Oui, ou alors elle prenait un bain de soleil, et peut-être pourquoi pas. Ouais, plus rien de m'étonne. Alors, la suite, hein. J'ai regardé un petit moment, puis je suis parti sans faire de bruit. Il y a une cabane dans cette île. Je crois qu'ils habitent là-dedans. C'est loin d'ici? Une bonne demi-heure à pied, hein. Un peu de calme, s'il vous plaît. Allez-vous-en tous au cercle. Oh, bah non. Je ferai une tournée générale. Ah ouais. Nous allons dresser notre plan. Petit, venez avec moi. Nous allons dresser notre plan. Voilà. Allez, va vous déranger. Venez avec nous, je vais m'occuper de vous particulièrement. Tu n'y vas pas, boulanger? Ah non, madame la marquise, moi je ne veux pas l'avoir vu en dehors de chez moi. La dernière fois que j'ai vu, c'était ici, dans cette maison. La prochaine fois que je la verrai, ce sera ici. Ce qui s'est passé entre ces deux moments, moi, au fond, je n'en sais rien. Et qui va nous la ramener? Moi, j'ai dit, madame la marquise, qu'il faut envoyer le moins de monde possible. Une ou deux personnes, pas plus. Oui. Et la personne qui doit y aller, c'est monsieur le curé. Parce que monsieur le curé, il a une bonne voix. Il a l'habitude, lui. C'est vrai, il a raison. Et puis, la spécialité des curés, c'est bien de chasser les démons. Hein. Voilà. Ah, alors il y aurait un démon dans cette affaire. Mais le démon a sa place dans tous les péchés, soyez-en persuadés. Et il en serait donc seul responsable. Revoilà l'esprit fort. Mademoiselle supprime la responsabilité du pécheur pour la reporter tout entière sur le malin. Eh bien non, mademoiselle, non.
Nous avons tous notre libre-arbitre à côté de nous, qui nous permet de repousser la tentation. Ainsi, en ce moment même, dans cette cabane du marais, la présence du malin est indiscutable. Vous ne le voyez pas ? Il est là. La femme de notre amie a elle aussi à côté d'elle son libre-arbitre, et elle pourra en user quand elle le voudra. Ah non ! Oh ben non, ça ne s'en servait plus, hein. C'est tout ce que je lui demande, qu'elle revienne tout de suite sans rien dire, hein. Et son libre-arbitre, qu'il aille garder les moutons, il voudra. Parce que moi, je lui casse la gueule, moi. J'en fais des fougas, son libre-arbitre, hein. Vous n'avez pas très bien compris, mon bon ami. Si, j'ai très bien compris que ce berger est un sorcier, comme tous les bergers, d'ailleurs. Alors qu'elle a vu ma femme, il lui a fait un charme, il lui a jeté un sort, il l'a enchantée, hein. Il est possible, en effet, qu'elle soit enchantée. Oui, oui. C'est certainement ça, sinon elle ne serait pas partie. Oh, parfaitement. Oh, la pauvre petite, elle n'a pas dû se rendre compte de ce qui se passe. Mais toute nue, mais vous vous rendez compte, toute nue? Mais dites, c'est pas une femme à faire ça, hein. Oh, ben, eh, dites, moi j'ai jamais vu, moi, toute nue, hein. Ah, c'est dommage. Non. Oh, c'est dommage. Non, il lui a mis un démon dans le corps, hein. Le diable au corps. Oui, et ce diable, il va voir monsieur le curé, il sera forcé de s'envoler en criant, et ma pauvre femme sera sauvée, hein. Il est certain que mon berger est un homme très pieux. Il est farci de médaille bénisse. Oui, enfin, je veux dire qu'il en a beaucoup. Des bons signes. Voilà. Et ma femme, elle a un scapulaire, je l'ai vu. Ça aussi, ça veut dire quelque chose. Seulement, il faudra traverser les marais, puisqu'ils sont dans l'île. Nous n'avons pas de bateau, et on ne pourra pas passer si on n'a pas de bateau en caoutchouc. Ah. Je peux prêter les miennes à mademoiselle l'institutrice, les grandes cuissardes. Et Maïfer, qu'on dira, monsieur le curé, pas vrai, Maïfer? Je veux bien. Seulement, il faut que je vous prévienne. Oui. De marcher dans les marais, c'est dangereux. Il faut connaître les sentiers qui sont sous l'eau. Hein. Sinon, si le pied glisse, adieu. Et pour monsieur le curé, ça serait un voyage direct au paradis. Si j'en étais sûr, je ne me plaindrais pas. Mais je ne suis pas certain du terminus. Mais moi, je les connais, ces marais. Et en quoi ça nous avance-t-il? Pardon. Il y a bien une solution. Ah, un peu bizarre, mais excellent. C'est quoi? Monsieur le curé mettrait ses bottes en caoutchouc et porterait mademoiselle l'institutrice sur son dos. C'est le mieux. Eh bien... Ce serait complètement ridicule. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y aura personne pour vous voir. Et j'ai un patron. Mais il faut que vous le fassiez, monsieur le curé. Il faut que vous portiez mademoiselle l'institutrice. Moi, je veux bien. Si monsieur le curé consent à porter une institutrice sur son dos, ce sera un hommage involontaire, peut-être, mais un hommage à la supériorité du corps enseignant. Ce sera plutôt un petit sacrifice à la douleur du boulanger. Oui, enfin, disons que ce sera les deux à la fois et n'en parlons plus. Oh, merci, mademoiselle l'institutrice. Mais plus vite il aura filé ses bottes, plus vite Aurélie sera revenue. Qu'est-ce que vous en dites? Il a raison. Allons-y. Et moi, je vais préparer tout pour le pain. Oh, pas besoin qu'on m'aide. Je vais préparer tout seul. Hein. Tu vas pétrir? Oh non, madame la marquise. Avant de l'avoir vue, je n'en aurai pas la force. Hein. Ah, oh, je sais qu'il ira ce qu'il faut. C'est un curé, quand il parle, on est forcé de l'écouter. Alors maintenant, je suis certain qu'elle va revenir. Alors voilà, alors, la soupe est prête, elle est au coin du feu. Si toutefois elle déborde, vous n'avez qu'à mettre le couvercle à côté. Les petits pois sont cuits et ils sont à côté du feu. Ah, merci, merci. Elle fout de la cuisinière? Il est chaud, comme vous l'aimez, à température. Ah, merci, merci, Céleste. Hé, qu'est-ce que tu fais là, boulanger? Oh, madame la marquise, que je suis content, que je suis content. Ça y est, je suis certain qu'elle va revenir. Alors, je prépare, hein. Et tu prépares quoi? Mais veux-tu bien me laisser ce balai? Mais qui m'a fichu un idiot pareil? Sais-tu ce qu'il faut faire avec ce balai? Non, non. Il faut le ciel manche, pour que tu l'aies bien en main. Oh. Et quand elle va rentrer tout à l'heure, tu vas me lui foutre une danse qui lui persuadera la vertu. Mon Dieu, quel malheur! Enfin. Et moi, de toute manière, je suis sûre qu'elle l'aurait bien mérité. Oh non, Céleste, aucun non. J'ai frotté la cuisine, j'ai fait les vitres, je vais faire la chambre et préparer notre lit. Hein. Ah bon?
tu n'es donc pas cocu par accident. Tu es cocu de naissance. Balai, mon ami. Oh, merci, 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 madame la marquise. Merci, merci. C'est une bien étrange chose que tout le pain d'un village dépende du retour d'une femme adultère. Mais moi, de toute manière, si elle revenait, je me demande si elle resterait ici. Mais bien sûr que non, le premier qui passe, il va se l'emporter. Moi, je trouve que vous manquez de charité chrétienne. Vous devriez avoir pitié d'une pauvre malheureuse qui va griller dans les flammes de l'enfer. Bien sûr qu'elle repartira avec le premier venu. Bien sûr qu'elle vous prendra vos maris l'un après l'autre. Bien sûr qu'elle a le diable dans le sang et la méchanceté dans tout le corps. Mais ce n'est pas à nous de juger. Et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ah, mais je pense... Moi, ce qui me dégoûte le plus, c'est qu'elle va tripoter le pain. Oh, quelle horreur! Manger! Boulanger! Oui, elle est revenue. Elle est au bas du village, au pied de la montée. Elle s'est assise un moment sous la tonnelle du papé. Elle est avec monsieur le curé, qui lui fait la morale. Oh, pas la morale méchante, hein. Oh, ma foi, la morale, ce n'est jamais très gentil. Enfin, il la fait pas pleurer. Oh. Il la console, voyons. Si elle se rend compte de ce qu'elle a fait, c'est sûr qu'elle a grand besoin de consolation. Et pourquoi qu'elle n'est pas montée? Elle a honte. Alors elle ne veut rencontrer personne. Elle a dit que si elle voyait un seul habitant du village, elle s'en retournerait. C'est de la pudeur, qu'est-ce que vous voulez? C'est de la pudeur. Sans aucun doute, je lui demanderai bien si elle a le temps de me donner quelques leçons de pudeur. Bon, demandez-lui n'importe quoi, elle ne refuse jamais. Ah ça, nous ne le savons que trop. Tonine et Mirette sont en train d'avertir tout le village. Dès que la nuit tombera, on fera rentrer tout le monde. Surtout les femmes. Ah, oui. Et moi, je vais lui envoyer un cheval parce qu'elle est bien encore fatiguée. Un cheval? Eh bien, on aura fait du cheval depuis deux jours. Et l'autre, le berger, comment ça s'est passé? Oh, quand il a vu monsieur le curé, il a eu peur, il s'est enfui à la nage tout habillé. Tout habillé? Oui. Oh, il a été bien ridicule. Ridicule, mais tant mieux. Dites, vous allez le reprendre, ce ridicule? Ah, oh, s'il revient, je l'enverrai à Montmas en Cama. C'est ça, oui, hein, qu'ils ne reviennent pas chercher du pain, qu'ils ne reviennent plus. Hein. Il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux. Hein. Oh, c'est le signal. Les voilà, ils arrivent. Hein. Ils montent la rue de Guignes-Ribaud. Alors, tout le monde est rentré dans les maisons. Hein. Et vous aussi, hein, pour ne pas rester là. Hein. Excusez-nous, hein, madame la marquise, oui, mais on lui a promis. Hein. C'est un ostensoir, cette femme, qu'on ne peut même pas la regarder. Mais non, mais si elle rencontre quelqu'un, elle s'en va. Et si elle s'en va, eh ben le pain aussi s'en va. Hein. Oh. Allez, adieu, boulanger. Eh, écoute, tu te fais quand même pas trop d'émotion. Hein? Oh, Tonine, ton amitié, je ne l'oublierai jamais. Chaque jour, quand tu viendras chercher ton pain, ne le prends pas au magasin. Le tien, il sera à la cuisine. Bah, j'ai rien fait de plus que les autres. Hein? Oh, tu n'as peut-être pas fait plus, mais tu as fait mieux. Tu n'as pas ri. Merci. Paris? Paris. À Paris, la capitale de la France. Allez, dépêchons-nous, hein, j'entends le cheval. Allez, on y va. Rentrons chacun chez nous. Oh, allez. Venez, mademoiselle Angèle. Ah, mais non, pas moi. Si l'on me fait sortir du magasin, je resterai devant la porte. Mais je ne bougerai pas d'ici. Je tiens à voir le petit retour de la pêcheresse. Mmh. Ah, il est défendu de la regarder. Eh bien, je la regarderai, moi, et sous une lampe pour qu'elle me voie. S'il suffit d'être une femme perdue pour être la reine de tout un village, eh bien, à quoi ça sert la vertu? À rien, ma douce Angèle. À rien du tout. Je suis heureuse que tu t'en aperçoives. Mais je vous prie de ne pas me tutoyer. Oh, tu as gaspillé 40 années, ma belle Angèle. Mais nous allons remédier à cela. Entends-tu l'appel des grillons? Bien que je l'ai... Oh, que je flore cette foule. Ah, mon Dieu! Ta bouche! Je veux ta bouche! Mon Dieu! Ah,
Par le fiscus. Eh bien voilà, boulanger, nous vous la ramenons. Mais avant de partir, je voudrais vous rappeler les paroles de notre Seigneur. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Bonsoir, boulanger. Bonsoir, mon père, bonsoir. Pardon. Pardon ? Pardon de quoi ? De ce que j'ai fait. Ce que tu as fait, mais qui te le demande ? Tu le sais ? Mais forcément que je le sais. Je t'ai fait du mal ? Ah, j'étais beaucoup inquiet parce que tu ne me l'as pas dit. Tu pars, toi, comme ça, quand ça te prend. Tu ne m'avertis pas. Tu ne me dis pas que tu as rangé la boîte de café, ni mon mouchoir, mon bouton de colle. Ça fait 2 jours que je le cherche. Tu as eu envie d'aller voir ta mère. Je ne te le reproche pas. Tu n'as pas voulu me le dire parce que je suis un peu trop autoritaire. D'accord, je le comprends. Mais ta mère dit, elle ne pouvait pas m'envoyer un télégramme. Elle ne pouvait pas me rassurer. Enfin, elle était raisonnable puisqu'elle t'a renvoyé tout de suite. Dis, tu n'as pas eu froid. Qu'est-ce que ça peut faire ? Oh, beaucoup, beaucoup. Je suis si content de te revoir. Viens, ma belle, viens. Assieds-toi, assieds-toi. Oh, tu dois avoir faim. Tiens, j'avais préparé à manger pour moi. Parce que je ne savais pas que tu rentrais ce soir. Tiens, ma belle, mange, mange. Moi, je n'ai pas faim. Ne me pardonne pas comme ça. Ça me fait mal. Oh, ne me parle plus de pardon. Ça finirait par me donner des idées. Dis, ça ne t'étonne pas de me voir pétrir à cette heure-ci ? Je ne sais pas. Écoute, il faut que je t'avoue quelque chose. Depuis que tu es parti, je ne me suis pas bien conduit. On n'est pas peur, ce n'est pas grave. Mais comme j'étais tout seul, j'en ai profité pour voir des apéritifs. Une idée comme ça qui m'est venue, bêtement. Un coup de folie. Mais tu sais, un coup de folie, ça peut tomber sur tout le monde. D'ailleurs, j'ai été malade comme un chien, et j'ai pas fait le pain. Et dans le village, tu sais, ça les a bien ennuyés. Alors je leur ai promis de leur en faire pour ce soir. Voilà. Voilà la vérité, maintenant tu sais tout. Et celui-là, qu'est-ce qu'il l'a fait ? Ah, celui-là, c'est moi. Il a une drôle de forme, hein. Il a une forme comique. Je l'ai cuit dans le four de la cuisinière. J'ai lancé un morceau de pâte au hasard, comme ça. Et regarde comme cette pâte est allée tomber. Enfin, je n'ai fait que celui-là pour toi. Enfin, pour moi, je dis pour toi. C'est toi qui vas le manger. Mange, Aurélie. Fais-moi plaisir. Mange. Aimable, une bonté comme la tienne, c'est pire que des coups de bâton. Ah, que veux-tu ? La bonté, c'est difficile à cacher. Alors, excuse-moi. Je ne l'ai pas fait exprès. Je te demande pardon. Tu sais tout ? Ah, oui, 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 oui. Tout ce qui concerne le pain, ça me suffit. Je ne veux rien savoir d'autre. À quoi ça me servirait ? À ne pas être ridicule. Tu ne veux pas que je sois ridicule ? Non, aimable. Eh bien, c'est la première et la seule parole d'amour que tu médites, alors je ne sais plus quoi faire. Oh, te voilà, toi, la pomponnette ! Garce ! Salope ! Ordure ! C'est maintenant que tu reviens ? Et le pauvre Pompon dit qu'il s'est fait un mauvais sang d'encre depuis ces 3 jours. Il tournait, il virait, il cherchait dans tous les coins. Plus malheureux qu'une pierre, il était. Et elle, pendant ce temps-là, avec son chat de gouttière, un inconnu, un bon à rien, un passant du clair de lune, qu'est-ce qu'il avait, dit ? Qu'est-ce qu'il avait de plus que lui ? Rien. Oh, toi, tu dis rien. Mais si elle savait parler, ou si elle n'avait pas honte, ou pas pitié du pauvre Pompon, qu'est-ce qu'elle dirait ? Elle dirait qu'elle était plus beau. Mais beau. Qu'est-ce que c'est beau ? Qu'est-ce que c'est cette petite différence de l'un à l'autre ? Alors, parce que les lions sont plus forts que les lapins, ce n'est pas une raison pour que les lapines leur courent derrière en clignant de l'œil. Et la tendresse dit, qu'est-ce que tu en fais de la tendresse, hein ? Est-ce que ton berger de gouttière, il se réveillait la nuit pour te regarder dormir ? Et si tu étais parti, est-ce qu'il aurait laissé refroidir son four s'il avait été boulanger ? Dis, est-ce que tu repartiras encore ? Elle ne repartira plus. Parce que si tu veux repartir, vaut mieux repartir tout de suite, hein ? Ça serait moins cruel. Elle ne repartira plus, plus jamais. Mais qu'est-ce que tu as, Aurélie ?
Mais qu'est-ce qui te prend? Je ne sais pas, je ne suis pas bien. Mais si tu allais te coucher? Oh non, aimable, je veux rester près de toi. J'ai froid. Viens, c'est le moment de rallumer le four. Ça nous réchauffera tous les deux. Tiens, prends l'allume-feu, s'il te plaît. Prends-la. Voilà. Oh oui, ça, c'est bien. C'est juste. Tu t'en vas, il s'éteint. Tu reviens, tu l'allumes, c'est normal. Oh, cette fumée. Ah, cette fumée, j'ai beau en avoir l'habitude. Mais elle m'a toujours fait pleurer. Nous avons eu le plaisir de vous présenter La femme du boulanger d'après une de Marcel Pagnol d'après une nouvelle de Giono. Nous remercions Loisirs et Culture pour son aide totale. Thank you.
Duval. Jean-Claude. De bons samaritains qui nous épaulent avant, pendant et après la pièce, les maquilleuses, la maquilleuse qui est demandée. Et Elliot, des techniciens qui sont également demandés sur scène. Et Roger pour leur aide efficace. Merci. J'ai dit les cuistots. Merci les cuistots. Il n'y a plus de technicien ? Si, il est là-bas. Musique. Il y a Thierry qui est la technique. Qui est là-bas. Bravo Thierry. Envoie la musique Thierry, viens avec nous. Thierry est là. Il arrive dans la musique. Ah. La musique Thierry. Et qui c'est qui met la musique, Thierry? Ah, non, tournez là. Ah, Thierry, t'assures pas, là. Il y a des chigènes, c'est bien. Et la casse. Il y a une étape sur la question.